Ils font pas d'entrée. Est-ce qu'on nous entend? Je crois que c'est bon. Bienvenue à tous pour ce live, premier live YouTube, Facebook. Salut Mati. Salut Mati. Mati est en train de partager là, on est tous ouais, sur les réseaux. J'arrive pas à partager, je comprends pas. Il y a déjà des bugs, on espère que ça va aller. Donc voilà, on se retrouve à la Praille. Pour vous expliquer un petit peu le principe, donc vous nous verrez nous, vous n'aurez pas les images. On va sûrement passer les buts hein, du match, mais avec un différé de quelques dizaines de minutes. Il y aura sûrement les images aussi de Bâle Lucerne qui se jouent en même temps. Et puis voilà, on va espérer que Servette fasse un bon match et puis gagne. Et donc merci déjà à tous de suivre ce match avec nous, en notre compagnie. Et ça nous fait super plaisir d'être là. C'est sûr. Merci pour l'invitation déjà à Servette pour cette première émission. Pour commenter le match. Donc voilà, là on est en train de voir nous les joueurs de Lugano qui entrent sur la pelouse. Et le terrain il a l'air très 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 bien, en tout cas de loin, mais je pense qu'il doit être vraiment bien. Et puis il doit faire pas mal chaud quand même. Hein. Il doit faire chaud, donc on a à peu près le tiers du terrain qui est à l'ombre là sur le côté gauche, côté tribune. Il y a quelques spectateurs en tribune, mais comme vous le savez, on peut toujours pas. On est toujours à huis clos. Et voilà, il y a Servette qui rentre. Et Servette rentre sur le terrain. Voilà. C'est parti. Allez, allez. C'est Spedes. Voilà. Donc il n'y a pas d'entrée officielle hein, avec deux files de joueurs comme d'habitude. Tiber, je ne sais pas toi, mais là j'ai trop envie d'aller jouer. Là. Ouais, c'est vrai que ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Quand on est arrivé là, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on devrait être sur le terrain. En plus, on a le maillot. Donc si jamais on est prêt à rentrer, hein, s'il y a un blessé. Si jamais, pas de problème. On a dit à Alain, écoute Alain, tu nous fais rentrer où tu veux. On est là. Hein. Moi, je pense que je me claque après un sprint. Mais... moi, j'ai les chaussures dans la voiture, donc il n'y a pas de problème. Ouais, moi, je serai en basket. Donc, écoute, on va faire la composition des équipes. Allez, c'est parti. Alors, Servette, équipe type. Frick dans les buts. Anthony Sautier, latéral droit, notre capitaine. Et Rouillet, et Cespedes, Konya, Stevanovic, Konet, Sasso y a et Pichi. Y a Piquino. C'est la même chose. Sasso, Ondua. L'équipe type, donc, hein, avec certains joueurs qui reviennent de blessures, on verra l'état de forme. Alors après, pour les deux équipes, on a des états de forme en manque de compétition, évidemment. Ils ont eu un grand temps sans compétition. C'est toujours dur à se remettre dans le bain, à retrouver les automatismes, à retrouver le feeling du terrain. En compétition officielle, mais voilà, je pense qu'il y a une grande envie de jouer les deux équipes et puis qu'on sont prêtes. Ouais, on va voir qu'est-ce que ça donne, c'est surtout au niveau du rythme. C'est ça. Parce que s'entraîner, c'est une chose, et puis jouer la compétition, les matchs, c'en est une autre. Alors on va voir, et puis j'espère que Servette, on va remporter ces trois points. Des échos qu'on a eu, en tout cas, les joueurs se sentent bien, y compris ceux qui reviennent de blessures. Et puis voilà, je pense qu'il y a. Ça va bien se passer. On a vu aussi les résultats des deux derniers jours. Hein. Donc Servette, de toute façon, ça ne va pas bouger derrière. Ils ont l'occasion de creuser l'écart. Ils ont l'occasion, évidemment, de rattraper Bâle selon le résultat. Hein. Alors, il y a le match qui va commencer. Il y a Konya avec la balle au rond central. Et puis, voilà, Servette qui a le ballon. Et puis, le match, il va commencer, là. Donc, Servette, t'entends quelques bruits, là. Ouais. Il doit y avoir la section Grenat dans le coin. Donc Servette joue, on a une défense classique. Alors c'est Tassar est sur la gauche. Voilà. Tassar à gauche, on a Konya en 10, Ondua qui se place vraiment devant la défense et Boris Cespedes un petit peu plus haut. Konya en pointe, voilà. Coup d'envoi dans quelques secondes. Lugano est semble-t-il... Allez c'est parti. En 4-4-2. C'est parti, long ballon de Servette. Qui cherche Konya devant là. Voilà, premier duel. Bon, Servette est... On est tout de suite devant. Stefanovic qui va centrer. Il centre. On n'était pas loin. Oh, ça commence fort pour Servette. Commence fort, première action dangereuse. Lugano qui repart sur le côté droit. C'est le numéro. On voit pas très bien les numéros. Bon, je suis un peu myope, hein, ça arrange pas. Non, mais là, c'était déjà une belle action là. Ouais, on est au central. Numéro 9, Lugano. On est dans le camp servettien. Long ballon en direction de Botagne. Attention, Botagne qui va se mettre devant.
Oh là là, c'était chaud. Super c'était retour chaud. De Sautier, Botanique était presque seul devant Frick. C'était chaud là. Hein. Deux situations chaudes. Déjà, après, même pas une minute de jeu et déjà une situation de but pour chaque équipe. Voilà. Donc là, il y a corner pour Lugano. C'est Custodio qui va tirer, si je ne me trompe pas. C'est Custodio qui va tirer corner. Custodio qui a une très bonne patte. Hein. Attention sur les ballons arrêtés. Hein. Ouais, heureusement que Sautier, il a taglé comme ça. Parce que ouais, Sautier a fait un grand retour pour éviter chaud, le but. Corner. Ou il y a faute ou pas? Non, oui. Il y a faute. Faute, coup franc en faveur de Servette et Frick qui va permettre à Servette de se dégager. Alors, Frick, ça joue vite. Ça joue vite. En direction de Tassard. Mais ça n'a pas surpris Intercepté. La défense. Ah, mais il y a du rythme. Hein. Ah ouais, là, les équipes qui... Il n'y a pas de round d'observation. Ça commence fort. Il n'y a pas de round d'observation. Il y a Rouillet qui joue contre son ancien club parce qu'il était à Lugano. Exactement. Ça se pète dans le long central qui avance. Ouh, il essaye d'écarter, mais il perd le ballon. Et il fait faute. Faute pour Lugano. On est à mi-terrain. Il a fait le ménage, Boris. Boris, il s'est durci. Il ramasse. Non. Et oui, à force de prendre des coups à l'entraînement. Exactement. Donc on a vraiment Ondua qui semble se positionner hein, devant la défense. Ouais. Et Boris Cespedes et Timothée Cognet un petit peu plus haut devant. On est dans le camp servettien avec Lugano qui a la balle. Sabatini qui écarte. Attention, ça va donner un centre. Attention parce que l'avanchi il est pas mal. L'avanchi revient. Avec les centres, il est pas mal. On est presque au poteau de corner. Où Botani qui est devant les 16 mètres. Il centre, dégagé par Rouillet. Bien joué Steve. Tcha Stefanovic qui fait comme d'habitude son travail défensif. On est sur l'autre côté, côté gauche. Lugano vers le pot de corner, toujours. Ça se bat. 2 contre 2. Et ils arrivent à s'en sortir. Centre. Ondua qui récupère devant les 16 mètres. Voilà. Et les cartes. Il faut mettre le pied sur le ballon. Il y a Piccino. Côté gauche qui revient. Il y a Paquino. Voilà, ballon serré, tiens. Ils font tourner. Sautier sur le côté droit. Voilà, ça se calme un petit peu. On pose le pied sur le ballon. Rouillet qui écarte sur Sasso. Voilà, Lugano qui s'est bien mis en place dans son camp. Tous les Luganais sont dans leur camp, excepté leur numéro 9 qui est Yanga. Bon, type, qu'est-ce que tu penses? On lance des petits paris? Bon, on va se faire 2-3 paris. Hein. Allez, bah écoute, moi j'ai pari sur un but des Servettes. Je vais dire Cognet. Allez, but de Cognet. Moi, je te dis but de Sautier. Sautier qui centre pour Cognet, non. Allez, but de Cognet. Si Cognet, il marque. Si Cognet, il marque, je fais 20 pompes. Tu fais 20 pompes. Si Sautier, il marque, tu fais 20 pompes. Ouais, ça marche. Premier pari. Ça marche. On est comme ça. On est côté droit luganais avec une remise en touche de l'Avanchi. L'Avanchi qui tarde un petit peu. Il cherche une solution. Il a toujours le ballon dans les mains. Voilà, c'est parti. Qui récupère la balle et Rouillet qui ressort directement avec Frick. Tranquille. Devant les 16 mètres, Frick qui a toujours la balle. Qui fait trois passements des jambes, qui commence à jongler. Qui fait une roulette. Ah non, il n'arrive pas à jongler. Non, c'est pas vrai. Mitja Stefanovic, milieu de terrain, sur son côté droit, qui perd la balle. Botani qui récupère, qui essaie de lancer. Ouh, attention. Ballon pour Frick. Ça va. Frick qui dégage vite. Mais complètement raté, un petit peu dévissé. Et Lugano qui récupère. Ouais, en même temps, avec le soleil, peut-être qu'il voyait pas bien. C'est pas facile. Il aurait dû mettre la casquette. Hein. Alors là, faute pour Lugano. Il y a Ondua qui a fait quand même une grosse faute. Faute pour Lugano. On est à 10 mètres de la ligne médiane dans le camp servettien. Et Lugano, qui semble-t-il, va jouer le coup franc directement. Hein. Ouais, il y a Sabatini par terre. Et il a, donc coup franc décalé sur la droite. Lugano qui va jouer. Un sacré coup. Ouais. Et c'est toujours Custodio qui s'en charge. Hein. Ouais, il a une bonne patte. Hein. Il a une bonne patte. Hein. On a une banderole de la section Grenade derrière les buts. Contre les pressions des diffuseurs TV et la complicité d'une SFL dépassée. Voilà le message de la... Signé section Grenade. La SG. Coup franc, Sabatini. Custodio qui le botte au deuxième poteau. Ça va. Dégagé. Récupération. Qui récupère. Oui, attention. Qui a essayé de dégager. Bien joué. Stefanovic, on le doit de nouveau. On essaye de sortir proprement. Et ça joue bien. C'est bien, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Il est ressorti. Très bien. On est au milieu du terrain.
Konya, très bien. Konya perd la balle alors que Konya faisait un appel intéressant. Lugano qui a récupéré la balle, qui sont dans leur camp. Mais pas de pression Servette. Ça joue bien quand même. Ouais, ça joue bien. Il y a pas mal de rythme. C'est une bonne reprise. Hein. Je suis content. On voit un bon match. Techniquement, c'est propre. Et y a... ça court de tous les côtés aussi. C'est pas mal. Et le terrain est vraiment bien. Hein. Ouais. On voit qu'il n'y a pas de mauvais rebond. Enfin, l'impression visuelle, elle est confirmée par le jeu, en tout cas. Côté droit, Lavanchi, au milieu du terrain, qui ressort. Numéro 5, c'est Maric. Avec d'après là, on est sur le côté gauche au milieu. D'après là quoi ? Hein ? D'après la télé. Oh, bonne récupération. Konya qui va aller affronter un autre mec. Allez, Mitja, fais loin de tes assises d'Otal Secret. Fais voir. Mais on retrait Konya ! Oui, s'il tombe, je ne sais pas si c'est pas le pénalty. S'il tombe, je ne sais pas si c'est le pénalty. Ça aurait pu. Bon, mais c'est une belle action. Mais si Konya il a l'espace entre les jambes, tu vois, il y a l'autre qui est arrivé. Et avec des cils, on met Paris en bout. Bon, il y a un corner là, il y a les supporters là de la tribune principale. Ils sont combien ? Je ne sais pas, j'arrive à les compter à peu près. Il y a le corner qui joue vite. Konya qui centre, contré. Voilà, contré. Touche Servette-Yann. Sautier qui va faire la touche. Non, c'est Mitja. C'est Sautier. Mitja. Ah, il s'ajoute vite. Qui ressort avec Sautier. Voilà. Ils font les 1-2, Konya. Super, talon. Konya qui essaie de centrer, qui arrive. Corner, bien joué ça. Allez les gars, on est bien. Ça va dans tous les sens, il y a déjà eu je sais pas combien de corners, de coups francs, il n'y a pas vraiment de. Bah écoute, c'est le deuxième, corner à Servettien, il y en a eu un pour Lugano, c'est ça ? Un pour Lugano, exactement. Puis, non, deux pour deux coups francs dangereux. Mais là, Mitja au corner. Le Beckham Servettien. Ouais. Bien tiré. Attention, ça arrive sur la patino. Allez, touche. Touche pour Servette côté gauche, à l'opposé. Iapicino. Ouais, le soleil, il doit taper quand même. Ouais, hein. Ça, il doit faire chaud. Andoua au 30 mètres, qui remet à Iapicino. Il essaye de passer son défense. Faute. Ouais. On va pouvoir ressortir avec Lugano, qui a la balle. Et c'est le gardien qui va... Non, c'est le numéro 5. Non, c'est le 5 Maric qui va faire le coup franc. Bowman, les gardiens de Lugano, il a fait quoi comme couleur là ? Il s'est en les cheveux. Ouais, blanc. Il a fait une petite magie capillaire là, hein, notre ami Bowman, ouais. Ouais, ouais. Et Bowman qui a le ballon d'ailleurs. Servette est bien en place. Servette joue haut. On a Rouillé et Sasso qui ont fait monter la défense presque sur la ligne médiane. Hein. Ouais. Mais ils sont bien en bloc. Hein. Ils les laissent jouer derrière, mais ils les attendent sur... On est dans les 16 mètres Lugano, là. Hein. Donc Servette attend, mais Servette attend haut. Au contraire de Lugano qui attend beaucoup plus bas. Ballon toujours pour Bowman. On essaie de construire depuis derrière, de trouver une solution. Bowman qui fait une relance difficile, mais Lavanchi récupère. Maric pour Bowman après de nouveau. Single. Et Bowman, il va dégager. Voilà, Bowman qui dégage. Et oui. Duel de Iapicino. Il avait chaud au pied, là. Ah, il n'a pas l'air très, très, très sûr des pieds. Ouais. Non, mais c'est un beau Rouillet, match. Hein. Rouillet qui écarte pour Sautier. On est dans le camp luganais. Ondoa pour Konya. Bien joué, ça. Stefanovic qui ressort avec Ondoa. Voilà. Oh là, attention à ne pas perdre la balle, là. Rouillet qui a la balle. Joue derrière, tranquille, voilà. Tranquille, fait tourner. Sasso pour Cespedes. Encore une fois, Lugano qui attend vraiment beaucoup plus bas. Hein. Cespedes peut jouer tranquillement sans beaucoup de pression. Bon, là, Sasso, ouais. Sasso qui ressort avec Frick. Sasso qui a de nouveau la balle. Ondoa qui se décale sur le côté pour recevoir la balle. Hein. Côté droit avec Sautier qui est beaucoup plus haut. Ce qui va lui permettre... d'avoir le ballon, mais on est de l'autre côté maintenant. Sasso rouillé. On est au milieu du terrain. Stefanovic qui écarte avec Sautier. Ah, dommage. Lugano qui récupère la balle, qui essaie de jouer vite. Ouais, Lugano, il essaie de jouer en contre, en ouais, fait. Ouais, bah là, c'est un petit peu ce qui se profile. Hein. Il veut que Servette presse beaucoup plus. Lugano a de la peine à ressortir. Il essaie de partir en contre-attaque assez rapidement. Ouais. Bien joué, Botani. On est presque dans les 16 mètres, Servette. Et attention. Bien joué, Sautier. Bien revenu, Sautier. Faute sur Sautier, bien revenu. Ah, Sautier qui, défensivement, est vraiment très présent. Hein.
Frick qui va dégager le ballon. Vous avez vu, nos tasses. Bon, il n'y a pas du thé dedans, c'est de l'eau, mais il fait très chaud ici. Ouais, là, il fait chaud, là. Là, il fait chaud. On va transpirer un peu. J'espère que Servette ne nous fera pas trop de sueur froide, mais en tout cas, là, c'est le sauna là-dedans. Bon. Frick qui dégage. Koné qui perd son duel, touche pour Servette. Sautier à la remise en jeu, pardon. Stefanovic et Lugano qui récupère. Botagny sur le côté gauche, Servette tient. Bien revenu Sautier. Encore une bonne intervention de Sautier. C'est ça, Sauch. Il est dans le match, Sauch. Hein. Ouais, ouais. Il a faim. Il lui a manqué ce ballon. Ondoua qui peut avancer un petit peu. Sautier côté droit, milieu du terrain, qui ressort avec Rouillet. Bien joué, Rouillet dans les pieds de Konya. Voilà. Konya pour Koné, dos au but. C'est un peu son style de jeu à Koné. Hein. Toujours dos au but, il arrive bien à garder le ballon. Eh oui, tu connais. Hein. En coupe ou pas? T'en refais une comme ça en coupe. Il y a Pekino, côté gauche. Mais le centre. Bien joué, bon centre. Dommage. Dommage. Lugano qui récupère, on est devant les 16 mètres. Et qui va dégager par l'avanchi. Sasso au duel avec... Voilà, récupération facile. Yanga, récupération. Là, on est dans leur camp, là. Ils sont tous derrière. Dans le central. Tous derrière, ils sont 1000 ouais. bus. Ils sont 1000 bus derrière. Ouais, là, ils ont parqué, là. Sasso est dans le rond central, pas attaqué. Il a toujours le ballon. Ça, c'est bien joué, ça. Au but, Koné. Sur le côté, là-bas. Il y a Pekino qui va centrer. Va au centre, super. Ouh. Yo, centre fuyant, mal, hein. Centre fuyant, c'était mais personne n'a réussi à la, ouais, à la toucher. C'est bien, c'est pas mal, c'est pas 100 mal. 100 mètres pour Lugano. Ah, les latéraux, hein, ça va passer par... C'est vrai, ils restent haut, regarde, ils restent haut. Ils vont presser haut, là. Ouais, Baumann aimerait jouer dans les pieds, mais Servette a mis deux joueurs vraiment devant les 16 mètres luganais. On va voir s'il joue. Hein. Il a joué, il fait la passe. Ouais. Là, si on arrive à récupérer la balle là, ça peut aller vite. On est sur le côté gauche luganais. D'après là, avec Baumann, gardien, Servette est très haut, très très haut. On est dans les 16 mètres luganais encore. Maric qui a la balle. Voilà, Servette un petit peu baissé, il va se replacer vers la ligne médiane, d'après là, qui peut avancer avec la balle. Il écarte le 18. Qui est le 18? Yao. Oui, attention. Côté droit, avec Botani qui ressort. C'est bon, tranquille. Dégagé par Sasso. Allez, il faut remonter. Lugano qui a toujours la balle, côté droit. Ouais, en fait, c'est Konya qui joue derrière. Konya est un petit peu en électron libre. Hein, ouais, il joue derrière Koné, là. Ouais. C'est Ondua et Boris. On est au milieu du terrain, côté gauche, avec Yao, Botani. Sautier, encore une fois. Hein. Sautier, super intervention. Sautier récupère tous les ballons. Sautier, il est partout, là, défensivement. Ah. C'est Spedes qui a la balle au milieu. Ouh, perd pas la perdre. Ouais. Voilà, bien sorti. Attention, pas perdre. 1-2 avec Tazar. Tazar assez discret encore. Hein. On l'a pas trop vu. Il n'a pas encore percuté beaucoup. Ouais, mais il libère assez d'espace. Bon, tu connais, ce côté là-bas, ça joue jamais. Ouais, hein. C'est pour ça. Donc Mathias, quand il jouait, il voulait pas aller de l'autre côté de la tribune parce que ça joue jamais. En fait, ça joue toujours côté banc. Je suis resté côté tribune principale. Donc il disait, coach, là, je peux changer là. Coach, je touche pas un ballon. Premier mi-temps à droite et deuxième mi-temps, j'allais à gauche. Voilà. Sautier à droite. Qui ressort avec Mika, le duo de feu servetien. Sautier Stefanovic. Il a roue en foire. Comme quoi? Tu connais pas? Vous voulez pardonner, il est uruguayen. Dégagement pour Man. Tant qu'il se couvre un petit peu, on est dans les 16 mètres luganais. Et c'est très bien que ça reste comme ça, parce que ouais, la chaleur doit quand même poser. Je sais pas si une pause d'hydratation. Bah pour nous, pour les joueurs. Ouais, bon, évidemment, mais les joueurs, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, là, il fait chaud. Ouais, heureusement qu'on a... Tu te rappelles la fois qu'on l'avait eu avec Carouche, tu te rappelles? Le quatrième? Ouais, on l'avait eu une fois. Ouais. Ah ouais? Bah, il débute. Il débute en Super League. Je m'en souviens de lui, c'est pas bon signe. Attention, côté gauche, Luganais, avec Yao toujours.
qui écarte avec Botani. Botani qui est un très bon joueur, très vif. Il va centrer, il centre. Il centre pied gauche, mais ça va. Dégagé ça va, par la défense servetienne. D'après là, qui récupère, qui écarte sur le côté gauche toujours. Bien joué, Micha. Et Micha qui récupère. Allez, c'est allez. Parti. Il a de l'espace. Bravo, Micha. Bravo, Micha. Allez, côté droit. Allez. Konya qui fait un appel. Micha toujours à la balle. Bon, il y a quelqu'un au centre. Mètres, Luganais, il centre. Oui, ça c'est bien joué. Koya Piccino. Il y a des morts, mets-lui. Qui frappe. Non, dommage, frappe. Mets-lui sur le côté là-bas, il était seul. Il y a Piccino qui fait l'appel dans le dos, Tazar qui va affronter la défense. Bon, il choisit la frappe, mais c'est bien joué. Tazar, il a frappé par terre un peu. Il y a sa chaussure là-bas, je crois qu'elle est restée. Ouais. Non, elle est dans la tribune là. La trouille là, ok. Ouais. Mais ouais, dommage qu'il a frappé par terre. Tazar qui a écrasé sa frappe, dommage. Mais ouais, c'est dommage. Bonne action servetienne, encore une fois, c'est les latéraux qui offrent ces solutions dans le dos. Et qui permet à l'attaquant de choisir, soit il met la balle exactement à gauche, soit il prend l'option de la frappe. Il a amené le défenseur avec lui et il lui a libéré l'espace, il a décidé de frapper. Exactement. Et puis voilà, malheureusement, la frappe, elle était... Lugano repart avec Maric qui écarte côté droit pour l'Avanchi. Il y a deux anciens Lausannois. Hein, oui, Custodio, l'Avanchi. Exactement. Et ensuite, il y a Gert, il était à Young Boys. Yao sur le côté gauche qui centre, bien contré par Sautier, encore une fois. Sautier. Un mur, Sauch. Il y a aussi Lungoi qui était à Servette. Exactement, Lungoi qui était formé à Servette, hein, qui est parti à Porto et qui vient de revenir en Suisse. Voilà, à, et là, il est sur le banc. Un très bon joueur, hein. Attention s'il rentre. Très bon joueur offensif. On a un contrat, il était vraiment pas mal. On est dans le rond central avec Maric qui a la balle pour Lugano. Servette est en place. Mais c'est un bon match. Hein, c'est pas un bon trop match, hein. Pour un match de reprise, il y a du rythme, c'est bien. Deux, trois bonnes actions. Il manque Lugano qui est aux 40 mètres. Il manque quand même les récupérations, on doit. Les spectateurs, quand même, ça manque. Évidemment, hein. C'est clair que. Bon, de toute façon, on n'entendrait rien dans notre cage. Oui, mais quand même. mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir vraiment aucun supporter. Je suis agréablement surpris des sièges. Ils sont changés tous les sièges. Ils sont tous tout grenats là. C'est beau. Ah, ça change tout. Ça change tout. Le stade a vraiment un visage complètement différent avec ces sièges enfin grenats purs. Attention. Oui, attention, il y a Custodio qui est parti sur la gauche. Part sur la gauche. Il y a Rouillet qui revient. Custodio qui centre. Dégage. Ça va. Qui ressort à droite. Pour l'Avanchi, toujours là, l'Avanchi qui essaie de centre, attention, il a une bonne patte, hein. Frick qui peut récupérer la balle. En fait, qui n'est pas trop en danger, hein, défensivement, ils sont solides. Ouais, Frick, il a commandé un café, là, je crois. Ouais, bah d'ailleurs, on va aller boire une bière avec lui à la mi-temps, si jamais, qu'il a rien à faire. Si jamais, ouais, là... Sasso, qui ressort. Lugano de nouveau en place, hein. Lugano compact mais bas, donc peu de pressing sur les Servettiens. On est avec Cespedes qui écarte sur Iapichino dans le camp luganais maintenant. Iapichino qui a un peu d'espace, qui ressort avec Ondua. Ondua qui va basculer le jeu vers Sautier qui a fait l'appel sur son côté droit. Ah, je crois qu'il allait faire un sombrero parce que lui c'est la spéciale. Ouais, c'est vrai. Lui, c'est... Ou alors une volée dans la lucarne opposée, un des deux. Voilà. Ouais. Faute un petit peu à retardement, attention. Oh, attention, ça peut partir vite. Hein. Parce que Gant, il ne faut pas le laisser partir, il va à 2000 à l'heure. Ah ouais? T'as joué avec lui, non? Ouais, j'ai joué avec lui à Young Boys. Bonjour. Hein. Il va très très vite. C'est un Suédois. Ouais, il va très très vite. Hein. Ouais, ils ont de la percussion devant avec Botani et Gant, hein, Lugano. C'est, je pense, leurs deux principales armes offensives. Hein. Sabatini est plus... Ouais, ça va tenir. Plus 10 plus... à la construction. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus 6 et 10. Ouais. On est dans le camp luganais avec Maric, le numéro 5. Servette qui ne presse pas trop d'après là. Qui va écarter sur le côté gauche avec le numéro 20, Custodio, qui ressort encore. Bon, au bout des buts quand même, hein. Ouais, bah ça va arriver. Combien de temps? 20 minutes. En bout de but, hein. Ça va arriver. Donc, Koné, hein, toi. Koné et moi, Sautier. Ouais. Ouais, Sautier, il va nous ressortir le... il va nous ressortir l'oiseau, Sautier. L'oiseau. Hein, l'oiseau va sortir du nid. Type, tu te rappelles quand t'avais marqué ton premier but en Super League. Oh, attention. Attention, il y a Gans. Il se présente face à Gans. 1-0 pour le Gans. Ouais. Perte de balle un petit peu. On n'a pas bien vu le...
On n'a pas bien vu le départ non, de l'action, mais c'était une perte de balle. Perte de balle, cafouillage. Au 30 mètres, et puis Gerd. Il se retrouve Gerd tout seul avec la balle pour aller affronter Frick, qui arrive quand même à toucher la balle, je crois, mais malheureusement. Frick, je crois qu'il a dévié en lucarne. Ouais, il a dévié en lucarne, mais voilà, c'était vraiment. On a perdu la balle vraiment devant les 16 mètres. Quoi. Exactement. Allez, faut se relever. C'est pas mérité du tout. Hein. Non, c'est pas mérité du tout. Nous, on n'a eu aucune action, hein, pour ainsi dire. C'est incroyable. Même eux, ils savent même pas comment. Alors qu'on parlait des guerres tout à l'heure. Ouais, on n'aurait pas dû parler de guerres. Mais laisse tomber. Bon, là, il n'a pas eu besoin d'utiliser sa vitesse. Il a reçu le ballon vraiment un petit peu par hasard. Et puis, il se présente seul devant Jérémy sans aucune opposition. La balle, il lui arrivait dans les pieds. Ouais, je pense qu'il ne pouvait pas réveiller le type. Ouais. Il était là, tranquille, et il revenait, en plus, il revenait parce qu'il avait perdu la balle. Il revenait, puis tout d'un coup, la balle, il lui arrivait par hasard dans les pieds, là. Mais c'est incroyable. Ah, ça m'énerve, ça. Allez, c'est pas grave. Servette qui repart avec Apicino à gauche. Tu te rends compte de ça, quoi. Un scandale, ce but. Les gars, ils sont tous derrière, et puis ils arrivent à marquer un but casquette, comme ça, là. Ah, ça. Ouais. Et là, maintenant, tu dois courir après les scores, mais c'est n'importe quoi. Allez, Sasso dans le rond central, qui cherche Konedo au but... qui écarte sur Iapikino. Ah, ça m'énerve. Tazar qui ressort sur Boris. Boris qui va basculer le jeu sur Sautier. Ouh. Ça risque d'être un peu long. Ouais, c'est long. Ballon au 5 mètres pour Baumann. C'était long, ça. Ouais, c'est incroyable. Tu te rends compte qu'il gagne un 0. Le public est un petit peu abattu, on dirait. Enfin, il gagne un 0, les types. Le mais public, c'est entre incroyable. Guillemets. C'est fou. Ouais, contre le cours du jeu, hein, complètement. Hein. Ouais, non, je te disais, Tibet, tu te rappelles que je t'avais dit que quand tu marques ton premier but en Super League, comment il fallait fêter le but ? On avait une célébration un peu cumbia. Hein. Pas de cumbia. On a pas de cumbia. Et on l'a fait les deux. Donc on s'est dit, bon, on fait ça, on fait ces petits pas là. Ouais. Moi, je l'avais marqué contre Young Boys. Exactement. Au stade de Berne, là. Et puis toi, c'était contre Lausanne. Ouais, c'était à la Pontaise. C'était un bon souvenir, ouais. Mon premier but en Super League. Je me souviens. Sautier à droite. Allez. Micha qui laisse passer pour Koné. Mets-lui. Koné qui va essayer de centrer, qui perd le ballon sur d'après là. Mais on doit récupérer. Allez, il écarte sur Iapicino. Je ne sais toujours pas si on dit Iapicino ou Iapicino. En italien, CH, c'est... Moi, je voulais dire Iapicino. Attention, Botanic est pas en contre. Et lui, il va 2000 à l'heure aussi. Attention, Botanic est sur le côté gauche. Il avance. On est dans les 16 mètres, Servetien. Il essaie d'enrouler. Eh, mais en fait, il s'attend que ça. Ça part au Népal. Il s'attend derrière, il s'attend qu'on fasse une erreur pour partir à 2000 à l'heure. C'était un petit peu prévisible. C'est ça. Cette morphologie, cette physionomie de match. Mais il ne faut pas leur donner le bâton pour se faire taper dessus. Exactement, comme dirait un entraîneur. Ah, il faut faire attention à ces pertes des balles. On est sur la ligne médiane. Il n'y a rien, joue. Il n'y a rien, ça joue. Boris qui a répété le ballon. Joue, vas-y. Qui joue avec. Ça passe. Oh, il a branché, il arrive. Retour. Koné au 16 mètres. Tazar en contre 1. Mais bon, ils sont 5 sur lui. 5 sur lui, c'est tout. Ils reviennent bien. Mais c'est par là que ça va passer. Exactement. C'est par là que ça va passer. Il y a au milieu du terrain, au duel avec Sasso. Il a réussi à conserver la balle. Il est pas mal, cet attaquant. Ouais, c'est un grand attaquant physique. Il garde assez bien les ballons. Ouais. Et puis, c'est un point d'appui, quoi. Ouais, exactement. C'était pas Yo, c'est Djanga, le 9. Djanga Rangelo. C'est qui, Yao? Yao, c'est le 18. Non, Yao, c'est le 18 qui joue à gauche, ouais. Ouais, Yao, c'est le 18, latéral gauche. Ouais, exactement. Et c'est Yao. Maric qui va chercher Djanga en dos but. Djanga. Voilà, allez. Alors. Rouillet qui récupère la balle pour Micha, qui est dans le rond central, qui écarte sur Iapicino. Ah, il faut un petit peu. Voilà, on est dans le camp luganais. Ça, c'est bien. Micha qui a traversé le terrain. Qui a traversé le terrain côté gauche. Qui ressort. Centre, deuxième poteau pour Koné, attention. Oui. Oh là là. Le ballon qui passe juste au-dessus. Grosse occasion, là, je te voyais pomper là, comme ça, avant pompe. Non, mais là, c'était une occasion nette. Ça, c'était une occasion nette. Ah, c'est là, il faut la mettre. Il faut la mettre au fond, c'est là. Allez, la prochaine, Koné. Allez, la prochaine. Vamos. Ça va être toujours haut, hein.
Bowman qui est contraint. Ah, mais c'était un beau centre. Hein. C'était un beau centre au deuxième poteau. Et en plus, il a bien sauté. Il a gagné le duel. Ah, et puis, malheureusement, il n'est pas cadré la balle. Quoi. Ouais, c'est sa grande force, le jeu de tête. Hein. Rouillé au duel avec. Pourtant, il n'est pas très grand, mais il a. Allez, Mitcha qui récupère la balle côté droit. Faute, arbitre. Hé, ça va, Chalet ou bien? Touche pour Servette, à droite. Ouh, ça chauffe dans le public un peu, là. Ouh, je sais pas, on n'entend pas trop. Sautier à la remise en jeu pour Konya. Sautier de nouveau qui essaie de jouer sur Koné, mais Lugano gagne son duel. Ah, ça cafouille un petit peu au milieu. Touche pour Servette. Bonne touche pour Servette au 30 mètres. Il faut jouer vite. Sautier. Voilà. Pour Konya. Ouh, attention. Sautier de nouveau. Oui. Lugano, de nouveau touche pour Servette. Allez, il faut réussir à marquer en tout cas avant la mi-temps. On est à la 26e, il y a le temps. Hein. Ouais, ça serait bien. Ouais. Stefanovic qui ressort avec Konya, qui ressort encore une fois. On est dans le rond central avec Sasso. Sasso, il a essayé une frappe des pieds gauche. Non, pas une frappe. C'est une frappe, ça. Moi, je pense qu'il a essayé de frapper. non, il a essayé de faire une passe J'espère que c'était une passe, parce que si c'était une frappe, on n'est pas bien. Non, j'espère que c'était une passe, alors. Mais vu comment j'ai vu qu'il avait regardé le but comme ça, regarde. Tu vois un peu, tu vois, comme ça. Alors qu'on voit les images de Bâle-Lucerne. Non. Oui. Non, ça c'est ici, c'est le but d'ici. Ah ouais, non, ouais, bien sûr, c'est les images. Attends, c'était un cafouillage. T'as vu ou pas bleu, Attends, en fait, long ballon, ouais, il a voulu. Regarde, ouais. Long ballon. C'est incroyable. En fait, Sasso, il voulait dégager. Exactement. Et puis il y avait Yanko là, Yamba, Devon qui arrive à la toucher du pied gauche et ça lui fait une passe de but. Incroyable. Mitcha qui centre pour Ondua au deuxième poteau. Ondua qui essaie de la remettre. Ouh, dommage, belle reprise de volée d'Ondua. C'était pas mal. S'il arrive à marquer ce but, il fait les tours du monde, je pense. Mais ouais, voilà, il a quand même essayé. De toute la galaxie, je pense. Ouais. Mais bon. C'était bien essayé. Mais ouais, tu te rends compte des buts. Donc, long ballon. Il y a eu long ballon. Et Sasso, il arrive à intercepter la balle. Il la tape du pied gauche. Et il y avait Yango Demoli qui arrive à la toucher. Ouais, Yanga. Yanga. Et puis voilà, ça va dans les pieds à garde qui est en parfaite position pour aller affronter Frick. Quoi. Ballon pour Maric. On est dans le camp luganais au 30 mètres. Maric qui a le temps, qui a toujours la balle, qui ressort avec son gardien. Bowman. Maintenant qu'ils mènent, ils ont le temps. Hein. Ouais, Servette va devoir aller chercher cette égalisation. Hein. Ça va pas être facile. Parce que c'est vrai que Lugano, défensivement, est quand même bien en place. Bon, on connaît Giacobacci, hein. Voilà, on a joué plusieurs fois contre lui. C'est un bon entraîneur, tactiquement surtout. Ouais. Et c'était Johan von Lanten qui nous a dit qu'il préparait vraiment, vraiment bien ses équipes. Pas en fonction de l'adversaire. Donc là, ils sont. Il était à Bellinzone au premier tour. Ils connaissent bien Servette. Il était à Bellinzone au premier tour. Exactement. Avec Carouge, on a joué contre eux. Ah ouais, c'est juste. Ouais. Ouais. Et puis bon, on a gagné 1-0 là-bas. Ouais, qui a marqué? C'était. Non, passe des buts. Bon, c'est Oscar qui a marqué. Corée. Servette, Sasso qui relance pour Konya sur côté gauche. On est à la ligne médiane. Ondua au milieu. Ondua qui ressort. Il y a Piquino, côté gauche, qui ressort pour Ondua de nouveau. Ondua qui ressort encore lui vers Sasso. Sasso qui joue dans les pieds de Konya. Oh, bien joué, bonne passe. Il y a le décalage. Konya qui cherche une solution. Mitcha, 16 mètres. Bien joué, ça, Boris. Dommage. C'était pas mal. Ondua qui récupère au 30 mètres. T'as oui, dès qu'ils font 2-3 passes, là. Bien joué, Mitcha. Il est au 16 mètres. Ça, c'est magnifique. Konya, il devrait plus être devant le but. Ah oui, à la finition. Pas trop le voir décalé, mais bon. Perds pas. Djanga, dos au but, qui protège très bien son ballon. Hein. C'est un bon joueur. Hein. Ah ouais, ça peut être de la carte. Hein. Ouais, c'est carton. Carton jaune, je pense. Alors voilà, cette fois, c'est Lucerne. Voilà, Margiota. Et il y a 1-0. Margiota, l'ex. 1-0 pour Lucerne. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, parce que c'est. Faut voir les buts. Parce que si balle perd et que Servette gagne. 1-0. Voilà, but de Margiota pour Lucerne. Ouais. Bonne nouvelle du côté de. Belle balle, hein. Allez, on revient au direct. On est à la ligne médiane. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, si nous on gagne pas. Il faut gagner. Si nous on gagne pas, ça sert à rien. Konya qui récupère dans le rond central. Allez, Lugano est un petit peu désorganisé. Ça, c'est difficile.
en profondeur pour Micha qui se bat. On est au 20 mètres Luganais. Lugano qui récupère la balle. Oh, il a mis gauche. Un coup de coude. Hein. Ouais, il a mis un coup de coude. Je sais pas si il a attends, fait. Attends, je crois qu'il a mis un coup de coude. Alors, Tazar qui a reçu un coup là. Alors, si c'est Lugano qui sort la balle. Ouais, il sort la balle. Si c'est un coup de coude, il y a le VAR. Attention. Je crois que c'était pas fait exprès. Hein. Mais bon, il a l'air de se relever. Tazar donc, va se relever. Peut-être que c'était pas vraiment un coup de coude. C'était dans l'action. Je pense pas qu'il. C'était un petit frottement. Je pense pas que c'était volontaire. Ah, il y a les Luganais qui se déshydratent. Qui se déshydratent. Ils sont déshydratés, les mecs. Qu'est-ce qu'ils hydratent, ouais. Et Bowman qui attend que ses joueurs reviennent sur le terrain. Tu penses qu'ils vont faire une pause sur le terrain? Non, parce que c'est à la 25e minute qu'on l'a fait, la pause en principe. Ah, bah alors il n'y a pas. Il n'y aura pas de pause, donc. Tazar, bon, au but. En tout cas, Servette, dès qu'ils arrivent, enchaîner 2-3 passes. Ouais, il faut qu'il y ait le petit jeu devant les 16 mètres. Sautier qui a la balle, côté droit qui essaie de centrer. Ah, dommage. Contré. Sautier qui remet de la tête pour Stéphane Beach. Faute. Ouais, ça, c'est un bon coup. À l'orée vraiment des 16 mètres, hein. C'est très très près, alors, décalé côté droit. Alors ça c'est un bon coup franc. C'est un coup franc pour, je dirais pour Tazar. Pour Tazar, ouais. Tazar, je pense. C'est plus pour un gaucher qu'un droitier parce que là... Elle est presque trop près. Ouais, pour qu'elle descende. Hein. Ouais. Mais bon, c'est un bon coup franc. Après, je sais pas trop comment il tire les coups francs. Ouais, il y a Micha aussi hein, qui s'apprête aussi, ouais. Un des deux. Micha c'est plus pour centrer que... En tout cas, il y a beaucoup de Servettiens au centre. Je pense que c'est quand même... Avec les grands gabarits hein, qui sont montés. Je sais pas, mais Micha, il se prépare comme s'il allait tirer quand même. Ouais, ouais, mais je... Ouais. Mais je pense que c'est Micha qui va tirer. Hein. Parce que Tazar, il a pas trop là, regarde. Micha pourrait essayer de la tirer au premier poteau. Sinon, tu sais ce qu'il va faire, Micha. Peut-être qu'il va passer devant la balle, tu sais. Et puis, fais voir, peut-être qu'il y a une action travaillée. Hein. Allez, c'est parti. Fais voir, il y a une action travaillée ou pas? Non, c'est Tazar qui tire. Non, trop haute. Trop haute. Dégagement en 5 mètres. Trop haute. Dommage. Ouais, mais les plus belles occasions, c'est pour Servette. Ouais, bien sûr. Et on perd 1-0. Ouais, c'est difficile. C'est une physionomie vraiment difficile pour Servette. L'hold-up. Hold-up pour le moment. Hold-up au stade de la Praille pour le moment. Bowman, au dégagement. Bowman qui prend son temps, hein, évidemment. Ouais, mais il faut qu'il aille manger un peu de vitamines. Il arrive même pas à la moitié du terrain. Il a du mal à dégager. Mais c'est clair que Lugano va pas se presser hein, pour jouer. On a le ballon avec Frick avec Sasso. Ouais. Sasso qui peut avancer tranquillement. Lugano bien compact. Sasso qui avance jusqu'au milieu de terrain. Ouais, dans le rang central, tranquille. Ouais. Boris au milieu du terrain. Tu vois, ils attendent que ça. Ouais, ils font le pressing. Vraiment, Lugano déclenche son pressing au milieu du terrain, hein, mais ils attendent vraiment en étant extrêmement compact. C'est difficile. Il faut que les Servettiens arrivent à les faire bouger, quoi. En passant, je pense, plutôt par les côtés. Hein. Ouais, c'est ça. Par les côtés, et puis il faut de la présence dans les 16 mètres pour être à la réception des centres. C'est ça. Côté gauche, avec Konya. Konya qui se décale plus côté gauche, hein, maintenant. Il n'y a rien. Konya qui perd. Et attention, tu vois. Et Lugano qui essaie de partir en contre. Attention, Servette est très découvert. Hein. Djanga avec la balle qui écarte sur Botani à gauche. Botani qui va aller affronter Sautier en 1 contre 1. On est au 20 mètres, Servette, tiens, attention. Botani qui est intéressant, il est dans les 16 mètres, il centre. Ouh, attention, tête de Sabatini d'or. Décroisé d'or. Ouais. Mais tu vois, ils arrivent quand même à faire ça. Ils ont des qualités, hein. C'est une équipe qui en contre peut faire mal hein, à pas mal d'équipes. Ah, ils sont compacts derrière, ils s'attendent l'erreur. Soit des techniques, soit récupérer. Dès qu'ils récupèrent la balle, ils essayent de chercher le numéro 9, Djanga, au point d'appui, et puis après, ils arrivent à ressortir et puis aller sur les côtés. C'est ça. Jérémy Frick, au dégagement. Allez, ça va être un duel avec Micha, qui a toujours un super timing. Hein. Micha, c'est impressionnant. Là, qui perd son duel, mais Micha, il est impressionnant de la tête. Ouais, on est toujours surpris parce qu'il n'a pas un gabarit monstrueux. Non. Mais il gagne énormément de duels. Une détente. Allez, Koné, qui est sur le côté gauche, qui a un petit peu d'espace. Mais voilà, mais Koné, c'est pas là-bas qu'il doit aller. Koné, ça serait c'est dans la surface. Reste vraiment pour appuyer, parce que là au centre, il n'y est pas. Attention, on est dans les 16 mètres. Lugana qui revient. Ouh, allez, Koné, c'est tente. Boris qui est dans les 16, qui s'accafouille. Il y a toujours un pied. Et Lugano qui dégage. Lugano défensivement qui vraiment. Ah oui, il y a toujours un pied, il y a toujours quelque chose. Là, il y a le numéro 9 qui est resté par terre. Il a dû prendre un coup, mais bon, Servette est... Servette continue de jouer. Je sais pas s'ils vont sortir le ballon, je pense qu'ils vont le sortir, voilà. Fair play. Ils l'ont fait, ils ont sorti le ballon, c'est bien.
Gaillard qui s'agite un petit peu. Hein. Je sais pas si j'aurais sorti le ballon, moi. Mais... sur le bord de la touche. Toi, t'aurais pas sorti. J'aurais peut-être débordé sur la droite. Toi, t'aurais été tout seul. T'aurais été contre le mur. Hein. Les joueurs qui en profitent pour s'hydrater un petit peu pendant que Djanga est au sol. Il doit faire chaud quand même. Ouais, les joueurs qui vont s'hydrater, comme nous. Parce que nous aussi, il fait chaud là. Nous aussi, il fait un peu chaud. À part ça, on parle de maillot, il est pas mal ce maillot. Ouais, on est pas mal, non ? Il est beau. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est beau gosse comme ça. Il est vraiment beau le maillot des Servettes. Ah, il est top. Là, on voit le jet d'eau, là. C'est le jet d'eau, tu sais ? Ouais, je savais, ouais. Il est magnifique, il est beau. Puma a fait un beau boulot. Ah, Puma, ouais. Allez, Servette qui repart avec Sasso. Sasso dans le rond central avec Ondua. Ondua qui écarte côté gauche avec Yapikino. Appel de Konya, mais c'est. Tazar qui reçoit la balle, Konya sur le côté gauche qui n'arrivera pas à récupérer, ça va être une touche pour Lugano. Pas faire de faute là, non, touche pour Lugano. Au 16 mètres, à l'auteur à peu près des 5 mètres. Hein. Et Lavanchy qui relance, Servette qui... C'est qui ce numéro 6 de nouveau là, non, c'est Kovilo Miroslav. On l'a pas beaucoup. Kovilo, mais il est grand, il a gagné tous les duels de la tête. Ouais, grand gabarit, c'est vrai. Ah, il est grand. Il y a Piquino au duel qui sort la balle. Touche pour Lugano. Non, il arrive à la récupérer. Tazar qui a la balle sur son côté gauche. Allez, Tazar, vas-y, hop. Bien joué. Faute. Bien joué. C'est un bon coup franc. Excentré pour Servette. Allez, on va faire monter Steve. Il a bien mis son coup, son corps devant Lavanchy pour obtenir cette faute. C'était bien joué. Allez, il faut marquer avant la mi-temps, les mecs. 37e minute. Lugano qui se met vraiment en ligne à la hauteur de son mur. Ils vont faire un mur à un seul joueur pour le mur. Énormément. Ouais, ils sont en ligne, c'est un marquage en zone. Un peu. Exactement. Allez, il faut venir lancer. Là, il faut bien le tirer. Il faut bien tirer ce coup franc en rentrant. Qui va tirer. Coup franc en rentrant. À l'arbitre qui fait un peu le ménage parce que ça se frotte un peu là dans les 16 mètres. Ça va jouer à deux. Ouais. C'est travaillé, ça c'est travaillé. Allez, Koné. Rouillé. Oh là 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 là. Mais Rouillé qui nous a mis volé là. Oh là là là, elle est passée vraiment à côté. C'est vraiment dommage, elle est vraiment passée à côté. Dommage. Ça se rapproche, mais il faut la mettre au fond. Faut trouver la faille. Baumann qui essaie de dégager, mais de nouveau Servette super haut avec deux joueurs aux 16 mètres. Baumann qui est obligé en fait de dégager long. Ça va être sur le côté droit, toujours pour Yanga, au duel avec Sasso. Ouais, gros duel de nouveau. Ah, un contre favorable pour eux. De nouveau. Attention. Je ne sais pas s'il est hors-jeu, mais je me suis dit, je pensais qu'il était hors-jeu. Numéro 9 qui fait. Oui, parce qu'il pèse beaucoup. Hein. C'est un joueur d'espace. Si lui, il fait des appels dans l'espace. Après, si tu lui mets la balle, il va vite en plus. Il attend que ça, lui. Il attend que ça. Allez, Frick qui va dégager. Non, Sasso qui dégage. On est dans le camp servettien. Avec Rouillet. Rouillet qui joue avec Ondua dans l'axe central. Rouillet toujours. Sasso. Sasso qui ressort avec Jérémy. Jérémy qui va faire une longue sur le côté droit pour Micha. Pied gauche intéressant. Hein. Bon, à déviation. Bien joué, Micha, super. Ouais. Il y a eu quoi ? Ouais, il y a faute et la carte. Ouais. Il va sortir la carte ou pas ? Non, il n'a pas sorti la carte. Beaucoup franc pour Servette. Ouais, mais t'as vu le pied gauche des frics, intéressant. Ouais, super dégagement de fric. Ah ouais. Et Michel, on parlait du timing avant. Ouais, voilà, magnifique. Belle déviation. Voilà. S'il ne faisait pas la faute, Louganais, ça pourrait être intéressant. Donc, on est aux 30 mètres, décalé, un coup franc excentré. C'est Hazard, je pense, qui va le faire rentrant, hein, probablement. Je sais pas. Hein. Non ? Je sais pas. Lugano qui est assez haut devant les 16 mètres en ligne hein, pour jouer leur jeu. Ah, c'est Micha qui va. Non, c'est Hazard. Attention, c'est de nouveau une combine. Bien joué. Micha qui va essayer de centrer. Contrer. Konya qui récupère. Attention, faut pas la perdre hein, parce que Servette est très, très, très découvert. Ouais, en tout cas, ils sont travaillé pas mal des coups francs à l'entraînement. Hein. Là, il y en a déjà fait 2-3 coups francs. Pas très fructueux hein, pour l'instant. Ouais. Mais ouais, il y a eu des combinaisons travaillées à l'entraînement. C'est Lugano qui va devoir ressortir avec. Il y a une touche. Touche pour Lugano. Avec Yao, côté gauche.
Yao qui cherche une solution, il n'y a pas tellement de mouvement côté Lugano. Et on essaye toujours de chercher Djanga, hein, dos au but. Voilà. Rouillet qui gagne son duel de la tête. Faute sur Boris, faute là. Sur Boris. Il est joué à l'arbitre. Il pourrait revenir à la faute. Ouais, là, il pourrait Lugano revenir, qui s'est dégagé en doigt au milieu de terrain avec Koné, dos au but. Koné qui remet bien. Décale, excellent. Voilà, bien joué sur Tassar. Il contrôle. Et il faut la côté droit, hein. Ouais, il faut la mettre. Ah, dommage. Tassar était en contre un côté droit. Il a essayé de passer Yao. Alors, Tassar a permuté avec. Un petit peu avec Konya qui est vraiment côté gauche. Hein, ouais, il est parti à gauche là. Et Tassar. Je pense que Tassar est devenu un petit peu en électron libre. C'est ça. Il tourne un petit peu autour de. C'est ça. De Konya. Mais Konya, il doit être dégoûté. Hein, il doit être dégoûté de jouer côté gauche. Tu touches pas un ballon. Déjà à gauche là-bas, tu touches pas un ballon. Et en plus, t'es au soleil. Tu as bouffé tout le couloir. Ah non, laisse tomber, c'est une horreur ce côté. Faut l'éviter à tout prix ce côté. En première mi-temps. Ouais. Faute de Mitchell au milieu du terrain. Faute pour Lugano. Alors qu'on joue la 42e minute déjà, hein, le temps passe. Servette qui va attaquer la 12e mi-temps côté tribune nord. Ouais. Sans les fans, mais c'est un tel avantage hein, de jouer en deuxième mi-temps côté supporter. Ouais, c'est pour ça que chaque fois que l'adversaire change, c'est vrai que c'est, moi, je me rappelle, c'est un petit peu perturbant. Quoi, nous, on faisait tout pour finir toujours la deuxième mi-temps pour attaquer côté tribune nord. Exactement. Et face à la section Grenin et tout. C'était... Et puis d'ailleurs, on était souvent meilleurs en deuxième mi-temps que la première mi-temps. Parce que ça met vraiment de la pression à l'adversaire hein, quand on est... quand on joue contre nos supporters, moi je me rappelle quand ils mettaient la pression. Faute de Mitcha. Il y avait une ambiance folle. Ouais, faute de Mitcha. Sévère, il joue bien le coup, Yao. C'est Bowman qui va. Ouais, bah Lugano, ils font le match parfait. Ils n'ont qu'à un but. Lugano fait son match. Ouais. Ils sont derrière et. Ouais. Non, mais Servette, il faut vraiment marquer un but. Assez rapidement pour emballer le match, quoi. Ouais, exactement. Et puis, encore une fois, moi, j'ai vu un petit peu des statistiques. C'est vrai que l'avantage du terrain, maintenant, il n'y a plus tellement. Hein, parce que sans le public, ça change tout, vraiment. Et là, on s'en rend compte. Malheureusement, il faut un huis clos, des événements tragiques comme il y a eu pour qu'on s'en rende compte. Mais le fait de jouer à la maison, c'est un énorme avantage. Et là, on a vu que statistiquement, les équipes qui jouent à la maison, elles gagnent moins. Que quand il y a du public. Non, c'est sûr. Boris au duel avec au 30 mètres Luganais. Allez, Sautier. Sautier qui va faire la remise en jeu sur Boris Cespedes. Bien joué. Allez, Mitcha qui va essayer de centrer. On est sur le côté droit. Sautier qui centre. Ouais, oh là là. Allez, c'est David Koné. Il a essayé de la dévier au deuxième poteau, mais il n'a pas réussi. Bon, c'était pas facile quand même, c'était pas facile. Le centre des Sautiers, il était un peu débile aussi. Ouais. Allez, là, il y a Piquino qui ressort avec Sasso. Il faut mettre des ballons dans la boîte. Il faut marquer ce but avant la mi-temps. Là. Allez, les gars, on doit qui est au 30 mètres, qui ressort sur Sasso. Sasso avec Piquino côté gauche. Il faut mettre des ballons dans la boîte. Voilà. Allez, dommage, tête trop mal de Tassar. C'était facile pour le gardien de Lugano, là. Bowman, il ne savait pas trop quoi faire là. Il a voulu le jouer vite, mais il nous a fait une petite feinte de corps. Ouais, il a voulu jouer donc vite. Donc Bowman, toujours avec le ballon, qui dégage au pied. Voilà. Il a gardé la balle 10 secondes dans les mains, hein, au moins. Ouais. Il y a Piquino qui récupère, qui joue avec Frick. Frick qui peut jouer avec Ondua directement. Frick, il n'y a rien, il a rien eu à faire. Il va venir avec nous à la mi-temps, tranquille. Il ne pouvait rien faire sur le but. Il a essayé de la sortir, il ne pouvait rien faire. Koné, côté droit. Qui garde la balle, qui essaye de jouer avec Boris Cespedes. Voilà, ça c'est bien joué. Timothée Konya qui a la balle. Regarde Mitcha. On est de nouveau côté droit. Voilà, c'est bien joué. Mitcha. Oui, il y a faute. Ah, il y a faute au début. Il y a faute. Il a mis un coup de pied. Konya, attention. Attention, Konya, il a mis un coup de pied. Est-ce que le juge de touche a vu ou pas? Je sais pas, mais attention parce qu'il y a le VAR. Attention parce qu'il y a le VAR. Il va parler à l'arbitre des touches. Ça peut être une voie de fait, ça. Faut voir s'il va parler. Rouge, oui, hein. Attention, parce que j'espère que. Ouais, le joueur Luganais qui est à terre, qui se tord de douleur. Hein. Et puis d'ailleurs, c'est Custodio qu'on a vu avant le match sortir s'échauffer pour voir s'il pouvait tenir sa place. Ouais. Ouais, et apparemment, il revient de blessure. Mais on dirait que l'arbitre n'intervient pas. Hein. On a de la chance. Voir.
J'espère qu'il n'y a personne qui va lui parler. Non, on dirait que c'est bon. Non, non, il va laisser jouer. Ouais, c'est bon. Tant mieux, tant mieux. Il y a une minute de prolongation. Allez, faut essayer de marquer sur ce coup franc, c'est un super coup franc. Hein. Voilà, et puis Costoyo doit sortir. Costoyo doit sortir, il boit de bas. Hein. Ouais, il a dû recevoir un bon tampon. Allez, de nouveau, Stefanovic et Manos. Manos, c'est le moment idéal. Et Tazar au coup franc. Bah, là, ça serait le moment idéal, quoi. Allez, les gars. Allez, vamos. On vient tirer. Oui, allez, oui. Oh là 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 là, il a sauté du magnifiquement tiré. Oh là 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 là, mais il était. Donc il y a Micha qui a mis un magnifique caviar. Il y a Koné qui n'a pas réussi à l'avoir, mais au deuxième poteau, il y avait Sasso qui l'a piqué de la tête. Et puis le gardien, il la sort sur la ligne, quoi. Allez, on est nouveau dans le camp luganais avec Koné sur le côté droit qui va essayer de centrer. Non, il revient. Il n'y a pas grand monde au centre. Il n'y a pas grand monde au centre, évidemment, parce que lui n'est pas là. Mais il faut qu'il reste. Hein. Faut qu'il reste, il faut qu'il arrête d'aller sur les côtés, qu'il reste au centre. Ouais. Voilà, c'est la mi-temps. Allez, c'est la mi-temps. Ah là 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 là. On va revenir. Allez, on va reprendre nos esprits. Il a fait un sacré arrêt quand même, les gardiens de Lugano sur sa ligne. C'est dommage, hein, c'était l'occasion idéale. On se revoit dans 15 minutes. On va boire un petit coup. Du thé. Alors, à tout à l'heure. Et merci d'être sur la chaîne YouTube Servette. Et à tout à l'heure. Merci. Allez, on va faire un petit tour. Ah ouais. Ah, il fait chaud.
Allez, Lugano qui a la balle côté droit, qui va centrer. Non, l'avanchi qui revient. Alors quand là on voit, il y a Kay qui allait s'échauffer, Gonçalves. Donc ils sont allés s'échauffer. Bon, désolé pour le retard, voilà, on est descendu. L'ascenseur qui venait pas. On est descendu boire de l'eau et puis voilà. Là. Avec Frick. Il y a le petit Alves aussi qui va s'échauffer. Donc il y a trois joueurs à s'échauffer. Ouais. Allez, Cognac, un peu d'espace, qui joue avec Koné sur le côté gauche de la défense luganaise. Koné qui fait faute. Non, l'arbitre siffle pas. Allez, Tazar, on est devant les 16 mètres toujours avec Cognac. Cognac qui centre. Dégagé par Lugano. Ondoua qui récupère au 30 mètres, qui protège sa balle et qui ressort avec Rouillé, Sasso. Sasso côté gauche avec Yapikino. Yapikino qui avance avec le ballon. Tazar côté gauche. Tazar qui rentre dans le terrain, qui ressort avec Ondoua. Lugano très, hein, très regroupé, Lugano. Oui, attention à ne pas perdre la balle là. Ouais. Attention à ne pas perdre la balle là. Il y a une main. On est dans le rond central. Ça joue vite. Cognac qui essaie de trouver une solution sur le côté. On est toujours côté gauche. De nouveau, tu vois, ça joue. Ouais, toujours côté tribune, c'est impressionnant. Tribune principale, toujours. Ouais. Centre, ça va être pour Roman. Il n'a pas poussé, Cognac là. Ouais, il y avait un petit accrochage dans les 16 mètres là. Mais bon. Mais c'est 5 mètres pour Lugano. Comment tu vois cette deuxième mi-temps? Bah écoute, il faut aller marquer ce but pour revenir au score et puis en espérant qu'il y a assez de temps pour mettre les deuxièmes quoi. Lugano qui essaie de dégager, mais c'est directement touche pour Servette. On est dans le camp luganais avec Koné, dos au but, qui essaie de garder la balle mais qui la perd. Ça ressort sur Bowman qui dégage. Yanga. Toujours au duel avec Rouillé, qui gagne son duel, Yanga. C'est vraiment, vraiment, ça pèse. Hein. Il faut toujours l'avoir à l'œil, celui-là. Sasso. Bien joué, ça. Cognac côté gauche. Cognac a de l'espace. Allez, mon petit. Non, Cognac qui essaie de dribbler. Bien joué avec Tazar, côté gauche. Tazar qui conserve. Il essaie de centrer. Centre trop court. C'est une remise en jeu pour Servette. Avec Yapikino. Yapikino avec Ondoua. Ondoua. Joue simple. Au milieu du terrin, toujours. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ondoua qui a mis un coup de coude. Ouais, Ondoua qui a mis un coup de coude à Custodio. Alors, hein, alors je sais pas ce qui s'est passé, mais. Custodio qui. Attention. Qui se roule dans tous les sens par terre. La balle, elle est. Voilà. Ouais, Lugano qui reste. Je sais pas, mais il faudra voir dans le VAR qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais. Là, il y a Guerre qui est en train de parler à l'arbitre des touches. Je sais pas s'il s'est passé quelque chose ou si l'on a rajouté. Mais après, c'est dans le mouvement. Il a dû faire un mouvement comme ça pour, pour se protéger. Il n'a pas fait exprès. D'ailleurs, l'arbitre l'a bien compris. Et il va mettre une balle. Il va faire un entre-deux. Non, il n'y a plus de balles entre-deux. Maintenant, c'est ballon Servette. Ouais, mais est-ce que Servette va la rendre? Non, ouais, on avait le ballon pour Rouillé. C'est toujours de côté droit. Donc, tout le côté droit est ensoleillé. Hein. C'est la misère. Et ça joue pas côté droit, en plus t'as le soleil, encore une fois c'est compliqué. Donc ça va être Micha et Antoine qui vont moins toucher le ballon qu'en première mi-temps. Hein. Donc on va voir. Parce que la preuve, ça joue toujours côté gauche là. C'est sûr. On est côté gauche. Ça joue à l'ombre. Que à l'ombre. Allez, Sauté qui récupère. On est côté droit cette fois avec Rouillé qui protège la balle et qui va ressortir avec Jérémy. Ouais, tranquille. Jérémy qui revient. Il y a Boris qui vient chercher la balle. Un nouveau joueur s'échauffe, hein. C'est Kiaï, sauf erreur. Ouais, non, il y a Kiaï, Alves et Gonçalves. Il est où Gonçalves? Il est là-bas. Ouais. Il est en train de se tirer. Et puis il y a le petit Lungoy, l'ancien Servetien qui s'échauffe aussi côté Luganais. Kiaï qui pourra avoir un rôle à jouer. Hein. Oui, il est costaud de bon. Si le score reste comme ça, je pense qu'il va, hein, il va pas tarder à rentrer. On est sur le côté gauche, Servette tient vers les 16 mètres luganais. C'est un centre qui passe devant tout le monde. Mais là, encore une occasion de but. Le ballon qui file en touche à l'opposé. Je pense qu'il a manqué 1 cm à Stevanovic et à Koné pour mettre la balle au fond des filets. Quoi. Lugano qui fait sa remise en jeu avec l'attaquant Yanga qui gagne son duel. Il y a faute. Yanga qui partait presque tout seul. Hein. Attention aux contre-attaques, hein,
Parce que Servette, maintenant, va devoir se découvrir. Exactement. Et de nouveau, les Luganais, ils ont de la percussion. Coup franc aux 40 mètres pour Servette, à droite. Et on revient, on va aller à gauche de nouveau. Avec Sasso qui est dans le rond central actuellement. Il écarte pour Rouillet. Rouillet qui manque un petit peu sa passe. Lugano récupère. Bien joué, Rouillet. Mais non, il n'y a pas faute. Sur Yanga. C'est vraiment un gros duel de ce match. Oui, 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 oui. Il est costaud, ouais. Il arrive à bien garder la balle. Il joue énormément bien avec son corps. Allez, Lugano qui est dans son camp, qui va faire le coup franc avec d'après là. D'après quoi? D'après. Tu l'as déjà faite celle-là, non? Ouais, ouais, mais ouais. Bon. Elle est facile. Ah, ouais. Allez, Lugano qui bascule avec. C'est qui? Ça fait surprendre quand même, hein? Ouais. Iapacino. Lugano, attention, Lugano qui est vers les 16 mètres, côté droit. Ouais, bien joué, Iapacino, il arrive à contrer le centre. Quand je te balle. C'est ça, c'est Iapacino, regarde. Il y a Al Pacino. Il y a Piccino, voilà. Sinon, l'appelle Denis, et puis voilà. On l'appelle Denis. Allez, faute pour Servette dans le rond central. Avec Rouillet qui va s'en charger. Il y a Cognac qui est vraiment côté gauche. Hein, ouais, de... ouais, il avait chaud là, voilà, au soleil, il s'est mis à l'ombre. Sasso, qui a un peu d'espace, on est au milieu du terrain. Dans le camp luganais, Sasso toujours, attention, il ne faut pas la perdre de nouveau. Bien joué, Mitja. Non, Sasso qui récupère, ouais, c'était limite, Lugano a failli récupérer la balle. Il ne faut pas trop jouer avec les feux comme ça. Parce que Servette qui arrive. Ouais. Oui, bien joué, Mitja. Côté droit, vamos, qui percute. Vamos. Ah, dommage. Lugano récupère. Et Lugano qui va partir en contre. Attention à Yanga, côté gauche. Ouais. Attention, il y a un passage dans le dos. Là, c'est du 1 contre 1 avec Yanga et Rouillet qui temporise. Voilà, on est côté gauche dans les 16 mètres servettiens. C'est bon, ça va être récupéré, bien joué. Il n'y avait pas grand monde. Sautier qui repart. On sent un peu de fatigue de la part des deux équipes. Je pense que c'est aussi le manque des compétitions. On avait Koné qui se décale côté gauche, de nouveau. Koné qui repique, qui joue avec... Oui, Boris, attention. Qui joue avec Boris. Boris par la part. Voilà, bien joué. Voilà. Ondua qui récupère. Ondua avec Iapicino. Iapicino, Cognac. On est toujours Cognac. Côté gauche. Cognac qui bascule. Ah, oh là là, perdu. Non, ça va, c'est récupéré. Sautier. Allez, Sautier qui va mettre une galette. C'est pour Baumann qui sort bien. Baumann qui rejoue vite. Magnifique dégagement de Baumann. Là, le dégagement magnifique. Ouais. Heureusement, un peu long, mais c'était pas mal joué. Parce que si Gert, il arrive à avoir la balle, il va tout seul. Presque. Il faudra faire très très attention à ses contre-attaques, hein, c'est clair. Frick qui joue avec Ondua. Lugano qui est regroupé dans son camp. Ondua qui peut avancer gentiment jusqu'au milieu du terrain. Il y a Piccino, toujours, on est toujours dans le camp servettien avec Sasso. Boris qui se démarque. On est dans le rond central. Boris, un petit peu d'espace. Il écarte sur Cognac à gauche. Mais je Cognac, on prend attention sur Varol Tazarka. Super centre. Il n'y a personne à la réception. Il n'y a personne à la réception. Ils étaient les deux sur la même ligne. Eh oui, les deux sur la même ligne. Un petit peu décalé. Et puis je pense qu'il fait. Et le ballon passe derrière. Attention, Yanga qui va partir tout seul. Attention. Oh là là, il va décaler. Attention, on est à gauche. Oh là là. S'il centre en retrait, ça peut être goal. Il n'y a personne. Ça va. Bien revenu, Rouillet, corner. Corner de Rouillet. Corner. Mais attention à ces contre-attaques, ça va vite. Ça va très très vite. On n'a plus d'eau. Tu veux chercher de l'eau? Oui. Parce que là, on est en train de mourir. Alors, il y a corner pour Lugano. Ça va très vite en contre-attaque, mais vraiment vite. Donc voilà, Lugano qui font tout, qui continue à faire la même chose. Attendre l'équipe des Servettes et puis jouer le contre-attaque. Où ils sont des joueurs comme Gernt, Botani qui vont à 2000 à l'heure. Mais voilà. Donc là, il y a le corner qui va tirer par Custodio. Il y a un petit embrouille entre Ondua et puis numéro 6. Merci, Tib. Ouais, faut s'hydrater, là. Micro. Ah. Attention, corner pour Lugano. Corner au deuxième poteau. Il y a une main involontaire. Hein. Je sais pas si y a main. Mais en tout cas, il y a tous les joueurs. Attention, de nouveau centre pour Lugano, deuxième poteau. Ça donne rien. Il y a tous les joueurs de Lugano qui sont allés voir l'arbitre pour demander un penalty. On espère que ça va
Ballon pour Frick. Bien joué, voilà, Jérôme, là, qui sort bien au deuxième poteau, qui rassure. Voilà. Sa défense qui va jouer vite. Ouais, hein, ouais, il va jouer. Voilà, relance vite pour y a Paquino. Ouh, il y a faute. Hein. Ça, c'est la carte, hein, monsieur l'arbitre. Ça, c'est la carte. Voilà, ça... premier carton du match pour Grosse Sabatini. Faute sur Koné. Hein. Ouais. Première carte. Bon, là, c'est une faute, entre guillemets, tactique. Hein. C'est une faute tactique, ouais, exactement. C'est pour ça que l'arbitre aussi, il a donné ce carton jaune pour, parce qu'il a coupé l'action. Koné qui a été un petit peu touché, là. Il reste au sol. Les remplaçants qui ont l'air d'accélérer un petit peu, là. Hein. Je pense qu'on va pas tarder à assister à quelques changements, là, à la 60e, je pense. On est déjà... le temps, il passe vite. Il y a Jean qui amène à boire. Voilà, l'intendant Jean qui est toujours là. Magnifique Jean. Donc, il y a Kay qui va rentrer. Hein. Et puis, il y a Kay qui retourne vers le banc. Ouais, il y a Kay qui va rentrer, peut-être à la place des Koné. Qu'est-ce que tu en penses, Steve? Ouais. Peut-être passer à 12 attentions, attaquants. Attention, Tazar qui a de l'espace. On est devant les 16 mètres. Luganais, il écarte sur Konya. Konya qui centre au deuxième poteau. Micha qui remet. Oui. Le gardien qui nous fait rentrer. C'est un truc de fou. Elle ne peut pas rentrer. Donc le gardien qui fait un arrêt, elle passe à ça de la tête de Tazar. C'est incroyable. Ah, mais là, elle ne veut pas rentrer cette balle. Corner pour Servette. C'est Konya qui va tirer le corner. Mais ouais, Kay, je pense pour Koné. Ouais, soit poste par poste. Attention, corner. Soit peut-être passer. C'est le gardien directement. Soit attention, le gardien qui relance vite, il y a presque du 1 contre 1, Servette, il n'y a plus personne. Attention à Botany. Et il y a Djanga qui fait un appel à toute allure là au milieu. Eh, mais ils vont vite. Attention, hein. Attention. Hors jeu, c'est très mal joué. Non, mais il laisse jouer. Attention, il se présente seul. Non, trop croisé. Il y a hors jeu. Ouais, mais c'est chiant aussi, il lève chaque fois, mille ans après. Il y avait hors jeu, mais il avait tiré à côté, de toute façon. Donc voilà, peut-être qu'il peut passer à deux attaquants aussi. Hein. On va savoir. Hein. Ouais, peut-être Konya ou un demi, peut-être. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais en tout cas, ouais, il faut faire très attention à ces contre-attaques, hein, parce que à tout moment, tu risques de prendre un deuxième but et puis voilà, le match, il est... Ouais, c'est compliqué après. Konya sur le côté gauche, dans le camp luganais. Et il est en 1 contre 1, il va ressortir avec Ondoua, Cespedes, qui est carte, bien joué. Rouillet, il envoie au charbon Sautier. Ah, Sautier qui doit tout donner pour sauver la balle au poteau de corner. Il arrive à l'avoir. Il est en 1 contre 1. Il essaye une petite pichenette dessus. Ouais, et c'est là, j'ai le passe. T'es beau. Djanga, dos au but. Voilà, Grouillet, il y a faute. Mais Djanga, il est vraiment très très puissant. Ouais, ouais, ouais. Et puis défensivement, il fait son travail aussi. Il est intéressant. Je sais pas quel âge il a. Je sais pas si c'est un jeune joueur. Ligne médiane, Ondoua qui essaie de jouer dans les pieds. Elle a intercepté. Attention, Djanga, toujours lui. Il est au duel avec Sasso. Ouais, bien joué, Sasso. Bien joué, Grouillet. Ouais, bien vu. Voilà. Dégagé, on est au Konya recentrage. Konya était seul, il loupe la tête. Ouais, mais Lugano est dur. Ouais, mais le match commence à être plus intensif dans le duel. Hein. Ça commence à taper pas mal des deux côtés. Donc, il y a le changement. Touche pour Servette, voilà. Changement. Il y a Kay qui rentre à la place des... Voilà, ouais, Konya. Poste pour poste. Konya, voilà. Qui va directement s'asseoir sur le banc. Et Kay qui rentre. Konya qui applaudit. Kay qui nous a fait une coupe. Il nous a fait une magie là. Ouais. Il a fait des 13. Et puis. Mais Chan qui va. Tu peux faire les pompes parce que j'ai déjà peur. Allez, on compte. Ah, on voit pas. Ah là, voilà, c'est bon, vas-y. Allez, hop. Non, on voit pas, recule. Ouais, mais bon, tu veux que je me mette tout ici là. Encore. Mais j'ai le micro. Voilà, c'est bon. Allez, hop. 1, 2, 3, 4. Non, arrête pas. 6, 8. 9, 10, 11. Eh, hey, plus bas là! Ah. Plus bas! Ouais. Feignasse! Okay. 152. Oh. Allez, premier pari gagné. Bon, là c'était pas facile. Chanck Sautier va nous en mettre une petite là. Là c'était pas facile. Il va nous mettre une petite lucarne. Ah, on nous annonce dans l'oreillette que nous n'avons pas, qu'il y a un but. Non. Non, il n'y a pas de but, c'est l'action. C'est l'action qu'on a failli marquer là. Ouais, regardez. Le gardien qui dégage sur la tête des. Ça se joue à rien. C'était Tazar. C'était Tazar. Tazar, ouais. Mais oui. Il y a Lungoi qui rentre. Christopher Lungoi, donc qui fait. L'ancien Servetien. Il faudra faire très très attention à lui en contre-attaque. Hein. Il va se positionner sur le côté gauche. Ouais. C'est vraiment un joueur de percussion. Donc il va aller essayer de provoquer Sautier. Hein. Je n'ai pas vu qui c'est qui est sorti, C'est Botany. Botany qui est sorti. Ouais, Lungoi, il va très vite aussi. Rouillet qui récupère. On est dans le camp Servetien.
Sasso qui a le temps de relancer. Ondoa dans le rond central. Ondoa qui va écarter. Non, Ondoa qui conserve la balle pour Yapikino. Yapikino joue long sur Tazar. Tazar est sur le côté. Oui, bien joué. Gauche. Bien oh là là. Bien joué. Oh là là. Et goal. 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 Vamos. Goal. 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 Par contre, je sais pas qui c'est qui a marqué. Je sais pas non plus. Goal. 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 Tazar, il a fait la magnifique action sur le côté gauche. Tazar, action exceptionnelle, vous verrez. Exceptionnelle, l'action. Il arrive à récupérer la balle juste il arrive sur la à passer de front des et défenseurs. Il passe en percussion le qui défenseur. C'est qui a marqué, s'il vous plaît? On ne sait pas qui c'est qui a marqué. Mais peut-être que c'est un autogol. Hein. Va savoir si c'est un autogol. Parce qu'il a... Je sais pas. Oh, mais il a fait une magnifique action. Non, c'est action. Pas un autogol. Non, je crois pas. Attends, il va dire au micro. On est là. On est là. Po, po, po. Vamos. Nous sommes de la section Grenat. Nous sommes toujours là, fidèles à ce maillot Grenat. La 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 la. Oh 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 oh. Bon, bah c'est magnifique, c'était le moment parfait pour marquer. On a encore 30 minutes devant nous pour pouvoir marquer le deuxième but. On gagne 3, on gagne 3. Et c'est mérité, c'est mérité. Tazar sur le côté gauche. Tazar qui essaie de nous refaire une magie. Qui est hey avec sa coupe de cheveux qui va sur le... Oh, il est derrière du gardien. Ça revient sur Konya dans les 16 mètres. Non, ça revient sur Konya. Non, mais là c'est bon. Ça va passer. Allez, il faut faire attention à un contre, au contre, et puis c'est bon. Là, le deuxième, il va rentrer. Et Lugano qui perd les pédales un peu, qui arrive pas à se dégager. On doit aller Servette là, faut enfoncer le clou. Alors, Lugano qui arrive malgré tout à se dégager. Ce tir. Allez, mets-nous la frappe. Mets-nous la frappe. Oh, de frappe. Et il ressort. Et si, ah, il a mis là, le petit crochet il là. Il les a emballés. Kay, Kay, une, deux. Kay qui va essayer de tirer le 16 mètres. Dommage. Oh, mais c'est bien, c'est Konya, bien. Konya, côté gauche qui centre. Oui. Oh là là, il y avait Boris qui était seul. Corner. C'est bien, les gars. Vamos. Action. Je suis chaud là, je me chauffe là. On est là. Je me chauffe là. J'ai plus de voix. Allez, corner allez. Pour Stefanovic, deuxième poteau. Oh, il y a Tazar tout seul. Tazar est tout seul sur le coin des 16 mètres. Oui. À l'opposé, Tazar qui fait un crochet, qui centre. Il est droit. Mais... Corner. Lugano qui est dans le dur. Il panique là. Ils sont à la ramasse, le public qui s'emballe, c'est beau. Allez, Tazar, au corner. Il y a qui se chauffe toujours. Ouais, là, c'est le moment pour marquer le deuxième. Il y a Routis. Ah, il y a le routinier. Tazar. Lugano qui dégage. Oui. Il essaie une demi-volée de Konya. Mais là, Lugano, c'est en panique totale. Attention, il faut gagner les duels, là. Pas avoir de contre-attaque. On est toujours dans le camp de Lugano. Ouais, on récupère la balle tout le temps, là. Lugano qui obtient la faute. Bon, moi, c'est pas mal. Lugano qui va casser le jeu, là. On est dans un temps fort. Temps fort pour Servette. Tu vois, Lugano va prendre tout son temps là. Oui, parce qu'il faut qu'il. Donc, il y a Routis qui s'échauffe et Gonçalves. Et Routis qui est pas à l'abri de nous mettre une petite tête à la fin. Hein. Oui. On va avoir une bicyclette. Pas à l'abri. Lugano qui dégage sur Djonga à la lutte avec Sasso. De nouveau, oh là là, Djonga. Mais Djonga, il avait le ballon derrière lui, il regarde sa souffle. Il va même pas chercher le ballon et après il dit qu'il n'y a pas faute. Allez, Konya à gauche qui écarte sur Tazar. Tazar qui revient avec Konya. On est avec Boris au milieu avec Ondoa qui va basculer à droite. Allez, on va pas au soleil sur Sautier. Ah, Rouillet qui revient, c'était bloqué. Sasso dans le rond central. Avec Boris. Vous avez commandé 2 verres d'eau. Alors qu'on nous amène 2 verres d'eau. Merci beaucoup. Non, c'est bon. On a rappelé. Ouais, mais je vais te mettre l'eau. Merci beaucoup. Ouais, bah oui, évidemment. Toujours. Et Konya dans le rond central. Ondoa qui écarte sur le côté gauche. Ah, Lugano qui attend. Kay, il me semble qu'il a encore pris de la masse, non?
Il a fait la muscu pendant le confinement. Hein, c'est bien joué, ça, c'est bien joué. Ça, c'était bien allez, joué. Touche sur touche au poteau de corner pour ça. Bon, la serviette, là, ils, ouais, ils sont bien, ils sont bien. Ils vont aller chercher la victoire. Par le merci, bon bout, merci. Ils vont aller chercher la victoire, là. Santé. Ah, alors, il y a le petit Alves qui va rentrer. Santé. Santé, Poudras. Il y a le petit Alves qui va rentrer, là. Kay. Oui. Kay, il touche beaucoup de ballons. Hein. Et ouais, centre, ouais, il fait une bonne au deuxième là, poteau, au troisième même. Stefanovic qui essaye de récupérer. Mais donc, Alves, il va rentrer à la place de qui, tu penses? Bah, écoute, attention, on est sûr. Alors, on va voir. Là, il... Touche par Servette. Les changements, c'est pas tout de suite. On est dans le camp Servette avec Rouillet qui ressort. Bien joué sur Sasso. Sasso qui a tout le temps de remonter la balle. Il y a ma copie qui a laissé chauffer aussi. Boris qui demande le ballon dans le rond central. Bien joué ça. Si elle passe. Ah. Ouais. Sautier, attention, allez, mets ta mine, Sautier. Frappe. Ah, il essaie de jouer petit. Ouais, il passe quand même. Récupération Servette au 30 mètres avec Ondoua qui écarte sur Cogna. Cogna qui essaie de la frappe. Oh là là, dommage. C'est bien joué. Dommage. Elle était flottante, hein. Elle a flotté, mais elle allait vers le haut. Au lieu de descendre, elle allait un peu vers le haut. Bah, elle était dans le filet de la section Grenat, quoi, derrière. Ouais. Lugano, qui est dans ses 16 mètres, qui dégage. J'ai plus pour Yanga, comme plus... d'habitude. J'ai plus de s'il marque un deuxième but, tu peux... Ouais. Je lâche tout. Le micro, là. De toute façon, faute de Sabatini, carton jaune, rouge, c'est le rouge pour Sabatini. Deuxième jaune, c'est deuxième rouge. Deuxième carton jaune, c'est rouge. Voilà. Et ce n'est pas justamente sotto la doccia. Deuxième carton jaune pour Sabatini, que c'était le seul joueur à avoir un carton jaune, et puis qui lui donne le incroyable carton rouge. Mais comment il peut faire une faute donc, comme ça, alors capitaine qu'il a de Lugano. Alors qu'il a encore un jaune. Ok, il a déjà un jaune, c'est fou. Eh oui, voilà. Ça, c'est les Uruguayens. Non. Mais c'est les Uruguayens, ils se contrôlent pas. Arrête. Donc voilà. Allez, il donne son brassard. Lugano qui va se retrouver à 10. Il donne son brassard. Pendant 25 minutes quand même. Voire 30, on va savoir. Donc voilà. Avantage numérique pour Servette. Maintenant, c'est le moment pour aller marquer le deuxième but. Hein. Tiber. Ah bah là c'est vraiment le scénario idéal, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Lugano va vraiment être hyper compact. Très bas, j'imagine. Là, oui, là si c'était c'est... bas, je pense qu'il est là maintenant. Ouais, il faudra juste faire attention. Le but, là. Ouais, là, ils vont aller dans les tribunes. Voilà, il y a le gardien qui allait chercher le bus et qui est en train de regarder devant le but. Il a les clés dans les mains, là. Voilà, il l'a parqué. C'est bon. Allez, côté gauche, Cogna. Mais il est sorti. On doit. Lugano, je ne l'ai pas vu sortir. Ouais. Cogna, côté gauche, toujours. On est dans le camp luganais. Ah, maintenant, ça va être un petit peu un monologue, ça retient. Hein. Ondoua qui écarte à droite avec Rouillet. Ouais, le match, c'est compliqué pour Lugano. Ça va être compliqué pour Lugano, là, maintenant. Très. Rouillet qui centre. Personne au et centre, personne. Ça va être un 5 mètres. La magie qui laisse passer la balle. Pour Lugano. Voilà. Sortie ouais, de... scénario idéal. bon, qui marque le deuxième? Qui c'est qui a marqué pour Servette? On ne sait toujours pas qui c'est qui a marqué pour Servette. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, moi, je pense... Non, on va revoir le but. On va revoir le but. Parce que j'ai pas du tout vu qui c'est qui a marqué pour Servette. Et puis, j'aimerais savoir. Bah, moi, je vais dire que le deuxième but... Et regarde, il y a Tassar qui est passé devant avec Kay. Ouais. Et puis Boris, ouais. Derrière là. Ouais, exactement. Ils ont changé un petit peu de Servette. Ils sont à deux attaquants, là, maintenant. Et puis, Kay, qui est côté gauche. Qui va ressortir. Parce que le jeu, mais c'est intercepté par Longueuil, attention. C'était difficile. Allez, Longueuil qui essaie de faire parler sa pointe de vitesse, qui se fait arrêter. Faute. Ouais, par Stefanovic, c'est limite carton. Hein. Pas de carton. On est dans le rond central, ça va être un coup franc pour Lugano. Ah, il ne faut pas lâcher, hein. Faut continuer à mettre la pression. Faut continuer, ça va passer. Ouais. Donc là, il y a le changement qui se prépare, là. Il y a le deuxième changement de Servetien qui se prépare. Ça va être Alves qui va rentrer. Salut, Rotis. Salut. Grande Routis. Je sens, hein, on sent qu'il va rentrer. Il est chaud. Salut Otto. Ah, on voit tout le monde là. Salut. Ils sont là. Attention, Kay. Allez, Kay, fais parler de ta masse musculaire. Duel perdu. Lugano qui repart en contre. Lungoy à gauche. C'est pas Lungoy qui va aller provoquer Sautier.
C'est pas Longoil, là. C'est... Non, oui, c'est Longoil. Ah non, c'est. Comment il s'appelle Longoil, les chaussures rouges. Ouais. Oh là là, Garde qui a essayé un contrôle, mais pas facile du tout. On est côté gauche, ça va. Il y a deux changements. Il y a Makopi et Alves qui rentrent à la place de Konya. Konya qui a pas l'air très content de sortir. Ouais. Et puis Cespedes. Voilà. Double changement pour Servette, poste par poste. Voilà. Allez, des changements qu'ils peuvent apporter, hein, surtout qu'avec la charge. Alves, il s'est positionné côté gauche. Et puis Makopi, voilà, qui va prendre la place de Boris. On doit avec le ballon. Dans le camp Servette, tiens, avec Makopi qui touche son premier ballon. Dans le rond central, il redonne à Iapikino à gauche. Qui écarte lui Alves, sur Alves, premier ballon. Allez. Ballon perdu, ça revient. Lugano qui arrive à se dégager. Ah, Lugano qui va pas trop se poser de questions. Hein. Bah non, Lugano, ils sont. C'est un bon point pour eux. Exactement. Ici, hein. Exactement. Là, ils vont vraiment jouer le match nul. Alves sur côté gauche. Alves. Avec. Avec Pacino qui faute. Ouais. Faute. Tu vas finir par l'appeler Al Pacino, je pense. Ouais. Bon, on va y arriver. D'ailleurs, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. J'aime beaucoup. Ah, il y a Martial qui s'échauffe. Ouais. C'est un petit jeune qui vient de Lyon. De Lyon, c'est ça. Mmh. Ballon pour Frick. Ouais, Frick, il n'y a rien eu à faire. Oh, Frick, rien. Il n'a pas touché un ballon des mains. Ouais. Vraiment aucun arrêt, rien du tout. Ondua qui écarte sur Iapikino. Al Pacino qui revient sur Rouillé. Makopi qui se propose, mais ça va directement sur Stefanovic à l'opposé. Voilà. Avec Sautier qui ressort. Ouais, Servette, il faut les faire courir, hein, Lugano. Exactement, il faut... Il faut aller d'un côté à l'autre et trouver la faille, comme ils le font actuellement, très bien joué sur Alves à gauche. Voilà. Ballon pour Tazar qui revient sur Ondua. On est avec Makopi. Voilà, on a fait le décalage. De nouveau, qui décale. Côté droit, il faut centrer. Bien joué. Michel qui centre. C'est repoussé. C'est renvoyé, ouais. Voilà, touche pour Lugano. Touche. Ce serait intéressant de voir le petit Martial. Hein, ouais, le petit entrer. Martial, je ne l'ai jamais vu encore. Mais le petit Alves, je l'avais vu. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Un pur produit de l'Académie. Hein. Servetien qui produit tellement de pépites. Hein. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Là, on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont signé. Hein. Oui, oui, c'est très bien. De la part du club, ils montrent qu'ils font confiance aux jeunes. Exactement. Donc, qui est au 16 mètres. Qui essaie le 1-2, c'est manqué. Lugano se dégage. Ballon revient sur Sasso sur la ligne médiane. Ouais, bah Lugano, comme on a dit, ils sont garés le bus derrière. Exactement. Ils sont tous derrière. Sasso qui peut avancer, il est au 40 mètres, il avance gentiment, il décale vers Makopi. Bien joué. Sur Stefanovic, 1-2. Et ça vient sur Sautier. Centre. Kay, deux buts dans les 16 mètres. Kay qui va essayer de se retourner. Ça nous retrait, Makopi qui frappe. Non, il loupe sa frappe complètement. Il écrase sa frappe. Ouais, il a écrasé. Mais c'est intéressant, ça, c'est très bien. Ouais. Kay qui fait une bonne rentrée. Hein. Oui, on arrive à faire tourner cette équipe et puis à trouver Kay en point d'appui qui malheureusement, bon, là, il a trouvé Makopi, mais sa frappe, elle est écrasée. Dégagement pour Lugano. Bowman qui va chercher Djanga comme d'habitude à la lutte. Oh, il y a main. Djanga qui peut contrôler, mais il fait main. Voilà. Et puis, à chaque fois, il dit qu'il n'y a rien. Ouais, alors lui, il n'y a jamais faute dès qu'il s'agit d'un duel. Sasso qui avance dans le camp luganais. Ah, Sasso qui a de l'espace, hein, il n'est pas attaqué. Il écarte sur Alves. Alves, il contrôle un petit peu long, mais il arrive à récupérer. Il est à lutte. Avec la branchie, corner. Il essaie de centrer, juste pas corner. Lugano qui dégage, mais c'est tout de suite récupéré par Sasso. Sasso qui est vraiment à l'orée des 16 mètres, hein, incroyable. Il déborde, à gauche sur Alves qui centre. Et Bowman qui va essayer de relancer sur Lungoy. Attention, Lungoy qui s'avance. On est à la ligne médiane. Attention, voilà, on regarde les buts alors. Tassar. Ouais, c'est Tassar qui a marqué. Non, Tassar, il a fait le centre. Mais alors, Tassar, là, on voit l'action, là, où il y a Tassar. Il passe des bons, mais magnifiquement. Ouais, c'est un autre vol.
Non, t'as raison, c'est autogol. Voilà. C'était Mitcha qui était à la lutte. Voilà, exactement, c'est un autogol. Attention, oh purée, il y a eu une action là. Voilà, ah, avec c'est un autogol du. Corner, corner pour Lugano. Attention, on regarde direct parce c'est que. C'est un autogol de Yao. C'est corner sur. Ouais, c'est un autogol de Yao, t'as vu ? Je t'avais bien vu, ouais. Donc, magnifique action de Tassar. Tassar qui fait vraiment la différence sur cette action avec sa, ouais, sa pointe de vitesse. Puis c'est sa percussion, vraiment. Exactement. Hein, c'est, il a vraiment une percussion au-dessus de la moyenne. Ce corner pour Lugano. Les grands gabarits qui, évidemment, sont montés. Attention, c'est parti. Attention, oh, attention, oh là 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 là, on a eu chaud. C'était une occasion énormissime pour Lugano. Donc, il y a eu corner, déviation de la tête, et ça arrive sur les pieds On repasse au direct, il y a Piquino à gauche. D'un joueur de Lugano, et puis heureusement que la balle piquait de la tête, elle était trop haute. Quelle action, quelle occasion. Mais on n'est pas passé loin de la correction. Lungoy qui récupère la balle. On est dans le camp de Lugano. Servette qui est assez haut, assez compact, qui essaie de récupérer, mais c'est Mitcha qui fait faute. À gauche. Mitcha qui rouspète énormément là. Mitcha qui jure qu'il l'a pas touché. Ah, là, il jure qu'il l'a pas touché. Là, il est comme un fou là. Si Mitcha il jure qu'il l'a pas touché, ouais, je peux dire qu'il l'a vraiment pas touché. Je peux dire qu'il l'a vraiment pas touché. Ah, Mitcha, un mec vraiment super. Hein. Coéquipier. Hein. Bah, toi, t'as joué avec lui. C'est un joueur d'équipe par excellence. C'est un joueur que tout coach aimerait avoir dans son équipe. Ouais. Et même chaque coéquipier, c'est un joueur incroyable. C'est Bowman qui va tirer ce coup franc aux 30 mètres. Lugano. Il y a deux changements qui se préparent côté Lugano. Ouais, donc. Il y a Rodriguez, c'est le plus petit des frères Rodriguez qui se prépare. Ouais, le frère de Ricardo. Hein. Exactement, ouais. Ricardo et Roberto Rodriguez. Rouillé avec la balle, il écarte sur Sautier. Allez les gars, combien de temps il reste là, cette temps-là il reste pas beaucoup de temps. Hein. Il reste 12 minutes 30 là, au temps réglementaire. Non, ouais, plus les temps d'arrêt. Le temps passe vite, mais il y a le temps pour passer l'épaule. Hein. Ça serait super parce que, à notre connaissance, Ball est toujours en train de perdre. Hein. Bah, je pense que oui, vu qu'on n'a pas vu, on a plus vu de but. On doit au mieux. Il écarte avec. Rouillé qui est vraiment très avancé, il n'y a plus que Sasso derrière. Sautier qui centre. Allez, il est centré. Il loupe. Alès, prends-la, voilà. Il y a Piquino à gauche. Il y a Piquino qui. Allez, les gars, il faut emballer ce match. Tassar, super bien joué. Dommage. Ballon dévié. Bowman qui arrive à dégager. Il faut emballer ce match. Il faut pas s'arrêter. Hausse, faute de Sautier. Ouais, il y a faute. Ah, Lugano qui va tout faire pour essayer de gagner un petit peu de temps. Voilà, et il y a double changement côté Servetien aussi avec l'entrée de Routis et Gonçalves. Ah, Routis, allez mon ami, tu vas nous la mettre, hein, la petite tête là, tu la sens ou pas? Ouais, ça c'est magique en plus. Je pense il sort l'oiseau sûr. Je pense qu'il sort l'oiseau, il vient en courant jusqu'ici en bas. Et il nous a dit d'ailleurs. Il nous a dit. Donc il y a Gerd qui sort et puis Custodio qui sort côté Luganais. Et puis maintenant, on va voir côté Servetien qui c'est qui sort. Donc il y a Routis et Gonçalves qui vont faire leur entrée. Donc c'est le troisième et quatrième changement, c'est bien ça. Ouais. Donc à rappeler qu'il y a 5 changements disponibles hein, en cette période très compliquée pour les équipes, parce qu'il faut rappeler que chaque équipe va jouer tous les 3 jours. Hein. Donc d'avoir les 5 changements, c'est pas trop pour ménager un petit peu les joueurs et les organismes. Dégagement de Sasso. Ça revient pour Lugano, on est dans le camp Servetien. Lugano qui écarte sur Yao avec Lungoy à gauche. Attention, Lungoy qui va provoquer Sautier. Il sort tout seul en touche. Il a poussé trop loin, ça va, il est en touche. Donc les changements, c'est pour maintenant. Changement Servetien, on va voir qui sort. Bon, ça va certainement être du poste pour poste pour Gonçalves. Oh, donc. Alors le numéro 9. 9 c'est Ondua. Ondua, ouais. Alors il y a Ondua qui sort et Sautier. Poste par poste, Sautier qui enlève son brassard et puis qui donne à ma copie, qui va donner sûrement à Rouillé, à Steve Rouillé qui prend le brassard. Allez mon Routis. Allez Routis. Avec tes chaussures bleues là, tu nous mets... La pièce. Tu nous mets soit une volée, soit allez soit, la pièce. Soit une petite cabesse. Allez Routis qui prend l'axe. Hein. Oui. Qui prend milieu axe. Ouais, il prend la place dans Exactement. Et on a Gonçalves qui prend la place
Bien joué. Allez, super sur le côté gauche, dans le camp luganais, avec Tazar qui va écarter sur Alves. Alves qui ressort sur Routis. Et Routis qui met une longue. Oh là là, magnifique. Elle est belle. Aïe, elle passe juste au-dessus de la tête de Qu'est-ce Richard. Qu'il adore faire ses transversales. Il adore. C'est la spéciale. Il adore. Il a bien coupé là, il a bien coupé. En plus, il a fait une coupe beau gosse là. Ouais. Attention, Lugano, on est à la ligne médiane. Servette qui récupère la balle. Ouais. Voilà, récupération de balle. Routis, il est au four au moulin. Il touche tous les ballons passent par lui. Attention, Alves qui s'en met un petit peu les pinceaux. Ouais, il passe quand même. Non, c'est Tazar, en fait. Dommage. C'était Tazar, pardon. Alves qui touche maintenant la balle. Il ressort sur Routis, encore une fois, qui va faire sa longue. Oh, qui fait une passe cachée incroyable! Quelle passe de Routis cachée! Mais quel talent ce joueur! Il la met là! Quel talent ce joueur! Quel talent! Et ça débouche sur une belle action, hein. une bonne occasion. C'était une passe cachée à la Ronaldinho. Dégagement pour Lugano, Baumann qui cherche toujours, encore et toujours, Djanga. Ça revient sur Frick. Allez, il y a le temps, les gars. Rouillé avec Makopi à droite. Ligne médiane. Makopi qui cherche une solution. Il n'y a pas tellement de mouvement. Il joue dans les pieds de Micha qui lui remet. Routis qui change. On va arriver gentiment sur le côté gauche. Sasso qui monte balle au pied. Allez, mon petit Alves. Mets-nous une bonne palette. Centre! Ça revient sur Micha! Aïe. On a devant les 16 mètres servetien. C'était pas facile à contrôler. Makopi, ne pas la perdre. 1-2. Et c'est Alves. Alves avec Micha, devant les 16 mètres, toujours. Al Pacino. Qui centre! C'est dégagé par lui. Il manque à chaque fois quelque chose. Ouais, il manque un petit cheveu là. Routis. Hein, plaque tournante. Il régale. Oh là là, il y a Pacino, pas mal. Il y a Pacino, pas mal. Avec Kay. Voilà, la rocher qui va laisser sortir. Oh, bien joué. Il a réussi à la sauver. On est bien joué. Sur la ligne de fond luganaise, mais Lugano arrive à se dégager. Voilà. On envoie au charbon Djanga, Routis qui fait une mauvaise relance. Attention. On est avec Lugano. Attention. Djanga sur le côté droit. Toujours côté droit, Djanga qui n'a pas de solution. Hein. Il n'y a personne devant. Il attend. Il va essayer de chercher une faute ou un corner. Non, balle servie. Bien joué, Routis. Bon retour, Routis. Très bonne entrée. Sortie de but. Tous les joueurs qui sont rentrés, ils sont en train de faire une bonne rentrée. Vraiment. Allez, Routis encore, ça repart. Des fois, c'est pas facile de rentrer dans un match. Et puis là, ils sont tous réussis. Exactement. À le faire. Routis, donc, grand central. Avec Makopi. Décale à gauche. Joué sur Alves. Allez, Alves, faut le sauver. Faut chercher quelque chose. On est au poteau de corner. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il récupère côté droit luganais. Il cherche Djanga au but. Ligne médiane qui essaie de remettre la poitrine. C'est récupéré par Servette. Oh, allez, c'est bien joué. Allez, ça. Makopi. Oh, qui met pas incroyable. Il se présente seul, ça. Non, y a... Oh là 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 là. Ouais, mais c'était magnifique. Super passe extérieur du pied de. Dommage. Elle était bien, l'appel, l'ouverture, elle était bien, mais voilà, il y avait position de hors-jeu. Ouais. On va avoir un coup franc pour Baumann. Baumann qui se presse pas pour aller chercher la balle. Ah bah Lugano va essayer de gagner un maximum de temps. Ouais. On a plus de changements disponibles, Servetien, hein, sauf erreur. On a fait les 5. Hein. Alors écoute. Parce que je vois plus de joueurs qui se chauffent là. Donc il y a Routis, Makopi, Gonçalves, Alves et Kay qui sont rentrés. C'est ça, voilà. Donc voilà. Lugano, de son côté, va encore certainement faire des changements pour grappiller un petit peu des minutes et pour casser le rythme. On est avec Rouillet qui dégage dans le central pour Micha qui garde la balle sur Routis. Makopi qui écarte sur Al Pacino qui avance. Il prépare son prochain film. Il avance toujours. Il va centrer. Il centre. Il manque toujours quelque chose. Ça va tourner. Il va arriver ce 12e but. On est devant les 16 mètres luganais, ça se bat, Kay qui pèse tout son poids là dans faute, les duels. Faute. Ouais, Djanga, bah, il va dire qu'il n'y a rien comme d'hab. Voilà, faute sur Routis. Alors qu'on nous annonce un but ou une action. But ou, pour Lucerne. Eh, mais faut gagner les gars. Oh là là. Il y a 2-0 pour Lucerne, faut absolument gagner. Oh là là, but de Lucerne et le Kay. Donc on vous rappelle que si Servette gagne, Servette revient à hauteur de balle. Hein. Revient à hauteur de balle. Ça serait magnifique.
magnifique. Serait incroyable. Allez, Michel, côté droit, il va essayer de centrer. Ok, dans le but, dans les 5 mètres. Faut trouver. Ah, dommage, c'était bien joué. C'était bien joué. L'idée était bonne, mais voilà. Lugano. Bien joué, ma copie qui récupère la balle. Allez, touche pour Servette, ça joue vite. Ça joue vite. Allez, Micha qui va centrer. Micha qui va centrer. Régale comme d'hab. Corner. Bien joué, ça. C'est bien joué, là. Ah non, il la veut la victoire. Il faut aller la chercher, vraiment. Il faut vraiment. Exactement, là, les résultats de Zurich qui a perdu à Young Boys. Ah non, mais là, c'est l'opération du week-end. Lucien qui gagne, mais c'est ça. Il faut les 3 points, absolument. Il faut les 3 points, absolument. Lugano, mais il panique. Le corner ne donne rien. C'est ma copine. Mais il n'y a rien. Il y a faute pour Lugano. Ouais, ça, c'est un petit peu bousculé là, dans les 16 mètres. Bon. Bowman qui va se dégager. On est à la 87e minute de jeu. Allez, Routis, tu nous mets le petit coup de plomb là. Sur une balle arrêtée. Allez, Bowman qui, de nouveau, Bowman va. À penser en temps, bah, Bowman va aller boire un thé, puis il va dégager. Allez, c'est parti sur Djanga, comme d'hab. Djanga, c'est pas un jeu de société, Djanga? Ça me dit un truc, hein? Ça me dit quelque chose. Ensemble. On regardera après. C'est qui là-bas? Lungoi qui laisse la touche à Yao. On est dans les 30 mètres servettiens. Alors, bah, c'est clair que Yao, il prend... Bah, il va comme ça. Il y a un changement qui se prépare côté Luganais. Hop. Et faute pour Lugano, attention, c'est un carton. Premier carton jaune pour les jeunes Routis. Ouais, le jeune Routis qui s'est lancé un petit peu. Très bon coup franc pour Lugano, côté gauche. Donc il y a un changement pour Lugano. Je ne sais pas si c'est l'avanchi qui sort. On dirait que c'est l'avanchi qui sort. Non, il reçoit des consignes, l'avanchi, il reçoit des consignes. Ouais. Et il y a le numéro 22, Guidotti. Attention, coup franc pour Lugano rentrant. Et c'est Jérémy qui va la prendre. Bien joué, facile, facile. Et il relance vite. Allez, Micha. Sur Micha qui monte balle au pied. Il y a un peu de public qui est au stade de la Prague qui pousse cette équipe. Allez, Tazar, côté gauche, il a de l'espace. Allez, il arrive aux 16 mètres. Oh, il passe un petit peu beaucoup. Mais il arrive à l'avoir quand même, il arrive à l'avoir avec sa vitesse. Ouh là là. Fin de centre, il va centrer, non? Ah, Routis, allez, Routis aux 16 mètres. Il essaie d'envelopper. Oh là là, Kay. Kay au duel dans les 16 et c'est faux, dommage. Aïe, qui a un petit peu écrasé sa frappe. Ouais. C'est dommage. Il y a Alain Geiger qui pousse l'équipe aussi à rester haut. Il est sorti de sa zone un peu. Alors qu'on a un changement pour Lugano. Voilà, c'est le numéro 6. Kovilo Miroslav qui sort. Et puis c'est Guidotti Stefano qui va entrer à sa place. Voilà, il prend son temps pour sortir. C'est clair qu'il ne va pas aller en sprintant. Il a déjà pas été de l'autre côté du terrain quand il... C'est déjà pas mal. Voilà, on y arrive. Allez, mon grand. C'est Bowman qui va se dégager. Et qui va certainement jouer sur Djanga comme d'habitude. Sur le côté gauche de la défense servettienne. Djanga qui est au duel avec... avec Sasso. Djanga impressionnant la détente. Mais Servette arrive quand même à récupérer la balle. Gonsalves cherche une solution. Ma copie qui a le temps de jouer... Avec Routis, la plaque tournante. Il va mettre une longue, non mais pas de longue. Allez, Routis toujours, qui bascule à droite avec... Sur ma copie. Ma copie. Alves. Elle est un peu courte. Non, Alves qui récupère. Allez, il va centrer sur le côté gauche. Bien joué, au deuxième poteau. Micha qui... Micha a essayé de passer... Ah, Micha, s'il arrive à la prendre là, c'est but. Passer devant le défenseur. Il est très fort. On est au poteau de corner, Luganais. Avec une touche pour Servette. Micha qui fait appel contre appel pour essayer de recevoir la balle. Mais c'est Kiaido au but qui reçoit la balle. On est toujours au poteau de corner. Oh, il y a une vilaine faute. Il y a une vilaine faute du Luganais. Puis elle est à hauteur de la carotide. Voilà, carotide. De la carotide. Excusez-le. C'est... Donc il y a 3 minutes de prolongation. Ouais. 3 minutes de prolongation. 3 minutes de. Moi, je m'attendais à 5. Ouais, avec tous les changements, c'est vrai, c'est bizarre. Je m'attendais à 5 minutes en moins. C'est bizarre. 3 minutes, quoi. Donc, Bon, allez, il y a le temps. Allez, Micha. Allez, il faut aller chercher la victoire. C'est coup franc pour Servette. Très, très bien placé. Allez. Allez, l'arbitre. Jeune Routiste. On a parlé de lui. Il est là. Il se place. Il est là. C'est le moment, là. C'est le moment.
Allez, Micha qui délivre. Ça passe de nouveau devant tout le monde. Ça arrive au deuxième poteau. On est avec Alves, côté gauche. Routis qui nous fait une roulette exceptionnelle pour essayer de chauffer son la touche, mais malheureusement la balle était déjà dehors. Il est sorti en tribune avec la balle, malheureusement avec sa roulette. Allez, touche pour Lugano dans son camp. Ouais, Lugano, s'il arrive à ramener un point d'ici, c'est. Lui, la fusion de l'image. C'est une superbe opération pour eux, c'est clair. C'est un super point pour Lugano. L'avant-chier qui cherche une solution, qui perd du temps. Il prend son temps, on dirait qu'il va prendre un carton jaune, on dirait. Ouais, Jung au duel, la tête, il gagne son duel. Rouillé. Bien joué, Steve. Ouais, ça se cafouille là au milieu de terrain, ça se bagarre. Touche pour Servette, Lugano, pardon. Il y a. On nous annonce un but, peut-être. Un but pour balle, attention, qui revient en balle, qui revient au score, ouais. Non, qui revient, non, 2-1. Ouais, qui revient là-bas. 2-1 pour le Serre, mais bon, voilà. Faut espérer qu'ils s'égalisent pas. Allez, Servette, Djanga au duel, toujours. De nouveau, touche pour Lugano. Non, touche pour Servette, l'arbitre qui corrige. Son juge de ligne. Allez, les gars, il faut y croire. Ma copie, qui est allez, il faut y croire. Avec Rouillé. Dans le rond central. Long ballon. Long. Ouais, sur Tazar, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ah, Djanga, on est dans le rond central, Servette. Tiens, Servette est très découvert, rouillé. Super rouillé, super contrôle. Mais Djanga qui se bat, hein, c'est une sangsue, hein, c'est impressionnant. Ouais, il allez, lâche Al Pacino, pas. Mon ami. Il lâche pas, c'est vrai. Et il nous fait des roulettes. Allez, et sur le côté gauche, il centre. Il n'y a personne. Dommage. C'est bien joué de la part de Lugano. Ouais, le défenseur qui a pu remettre la tête à son gardien, Baumann, qui relance sur le côté gauche avec Yao. Yao qui arrive gentiment à la ligne médiale, il n'est pas attaqué. Toujours Yao qui rentre dans le camp servetien et qui va jouer pour Lungoi qui est hors jeu, semble-t-il. Otis récupération qui joue avec ma copie. Tassar qui monte balle au pied, qui cherche une solution. Kay, il trouve Kay, Tassar, super, faute ah, non, l'arbitre qui dit laissez attention jouer. Attention à la contre-attaque. Oh là là. On a Lungoi sur le côté gauche, qui est en 1 contre 1 avec Consalves. Attention, Lungoi, il va certainement provoquer, voilà. Il va nous faire ses passements de jambes. Non, il joue, c'est très bien joué. Attention, dans les 16 mètres, Lugano. Bien joué, Sasso. Ouais, mais le tacle, il bien prend des défendu, risques. Bien défendu, Sasso, bien défendu. Corner pour Lugano, bon tacle, attention. Qui a touché le ballon, heureusement. Corner. Attention, et là, c'est combien, incroyable. Combien de temps on n'a pas pris le... Écoute, on a pas pris les 3 minutes, là. Bah non, je sais pas combien il reste, ouais. Je sais pas. Ah, ça serait vraiment il dommage. Il doit rester une minute peut-être, même pas. Corner pour Lugano, c'est... Qui c'est qui sont ouais, Lugano, il monte même pas presque. Il monte non, même pas. Alors Lugano va évidemment... Ah non, ils sont... Non, pourquoi ils font ça ouais, pourquoi ils gardent pas la balle. Oh là là. Oh, ils vont le payer. Et ils vont le payer, ça. Ah, c'est fini. C'est fini déjà. Ah là, il a sifflé la fin du match. Bah voilà. Malheureusement... Ben, on peut dire contre le cours du match, hein. c'est un très bon point pour Lugano, c'est vraiment dommage pour Servette qui avait une occasion en or de revenir sur le FC Bâle. Partie remise, et puis surtout qu'ils se sont retrouvés à 10 pendant presque 30 minutes. Ouais, ouais. Non, Servette avait vraiment l'occasion. Servette a poussé, s'est créé pas mal d'occasions en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, malheureusement, voilà, elle a pas pu rentrer ce deuxième but, malheureusement. Donc on va dire 2 points de perdu quand même. Ouais, je pense 2 points de perdu, surtout vu disons, toutes les occasions que Servette a eues, toutes les actions dangereuses, etc. Lugano a été très peu dangereux, hein, Lugano était à 10. Donc, alors là, on regarde les buts. Alors, on regarde contre, Gant, premier but. Dommage, hein, Sasso qui veut relancer proprement, malheureusement c'est intercepté. Voilà. Ouais. Toujours Djanga, hein. Djanga il est attentif et il récupère. Il a fait vraiment un bon match. Hein, et puis Gant qui croise bien sa frappe, il ne pourrait rien faire fric malheureusement. Voilà, on va sûrement revoir le but servetien, je sais pas. Les joueurs qui ne peuvent pas serrer la main. Hein, les joueurs qui exactement, les joueurs qui quittent la pelouse. On voit Rouillé qui voit ses anciens coéquipiers. Voilà, là on voit. Alors ça, je sais pas ce qu'on nous montre là. Je sais pas ce qu'on a vu là. On a vu un son. Voilà. Ah, petit. Ah voilà, c'est les actions du match. Hein. Ouais. Les actions chaudes du match. Donc on a ce coup franc extrêmement dangereux. De... C'est là, la tête piquée de Sasso, quel gardien, il arrive à la sortir.
Et puis là, je crois que c'est encore. C'est encore là. C'est la tête de Koné ? Non, ça c'est la tête. De... C'est une tête. Ah, trop molle. Voilà, on voit encore. Vous voyez qu'il y a eu quand même passablement d'action hein, sur Vétienne. Avec un Mitcha qui était comme d'habitude de présent, qui met des caviars. Voilà, s'il la mettait, je quittais le stade. Ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Là, j'arrêtais. je prenais mon micro. On partait. Donc là, c'est le but ou pas ? Non, c'est toujours pas le but. Ça, c'est une action au début de deuxième mi-temps. C'est quand il y a rien qui le remet sur Tassar, la tête. Voilà. Et puis, ouais, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Après, je pense qu'il va y avoir le but. C'est ça, sauf erreur, ouais. Ouais, là, il y a le but. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas, pas ça, t'as raison. Ça, c'est la frappe de Kay. De nouveau. Mais Kay qui a fait une très bonne rentrée. Hein. Il a vraiment posé sur la défense. Il semble vraiment affûté. Et là, il y a le but. Tassar qui... Ouais, Tassar qui fait la différence sur ce contrôle extraordinaire. C'est vraiment, c'est superbe action. Hein. Et puis le défenseur qui, voilà, il essaie de la dégager. Mais il y avait Mitia qui lui mettait la pression. Ça, c'est le dernier corner. Ça, c'est... Ça, c'est... On a failli prendre le deuxième, là. Ah, voilà. Quelle action, mon Dieu. Ça, c'était vraiment... Ouais. Alors là... On a frisé la correctionnelle hein, sur cette action. Mais c'était la seule de Lugano, hein, finalement, en deuxième mi-temps. Ils ont c'est pas, ça. Hein, ils ont rien eu. Je crois que Jérémy n'a pas eu un arrêt à faire. Clairement, 2 points de perdu. C'est dommage, mais on va se contenter de ça. Et puis, là, les joueurs, je pense qu'ils vont aller faire un petit décrassage. Hein, parce qu'il faut rappeler qu'ils jouent quoi dans 3 jours, déjà. Hein. Dans 3 jours, ils jouent. Donc, les organismes vont être vraiment mis à rude épreuve. Et il faut récupérer vraiment récupérer au maximum. Le derby. Au tourbillon. Le derby. On connaît le résultat là-bas. Ouais, et toi, tu l'aimes bien ce stade. Hein. Je l'aime bien là-bas, le stade là-bas. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc, on ne sait pas si on va renouveler l'expérience mercredi. On verra bien. Ouais. Mais en tout cas, c'était un grand, grand plaisir de... Merci à tous. De faire cette première expérience. De nous avoir suivi. On a beaucoup apprécié. Merci à tous. On a essayé de faire de notre mieux, voilà. Voilà. Bon, Mathis parle toujours pas très bien français. Il a fait son mieux, mais ça a été... Voilà, on fait des efforts. Non, merci, c'était un plaisir en tout cas pour nous d'être avec vous sur ce match. Et puis voilà, on vous dit à bientôt, à très bientôt peut-être. Et puis voilà, bisous à tous et prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.